Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Brochu en direct de Chambly sur la rive sud de Montréal, en ce dimanche 6 août 2023. Écoutez, soyez à l'écoute aujourd'hui parce qu'on ne parlera pas beaucoup de géopolitique. Je garde ça pour le général de la Ward que je rencontre tout de suite après l'émission aux alentours de 8h30, heure du Québec. On va vous présenter l'entrevue par la suite, où là, on va parler de la situation internationale, autant en Afrique qu'en Ukraine et le basculement du monde. Il va nous parler de le général de la Ward a des connaissances en toutes les matières. Il suit l'actualité internationale par formation, par vocation, et on va avoir la chance de l'avoir là après l'émission. Puis on va vous présenter ça là aussitôt qu'on va terminer le mixage, parce qu'il y a beaucoup de cartes, beaucoup de documents à nous à analyser avec nous. Donc on le passera pas en direct, on l'enregistre, puis aussitôt que c'est prêt, on va vous publier ça à Radio Infocité. Restez des nôtres. On ne parlera pas aujourd'hui trop de géopolitique à Brochu en direct. Ça va être surtout une émission dédiée, entre autres, à ma chroniqueuse préférée de Paris, Annette Matheux, qui va venir dans quelques instants là, nous aborder un autre sujet fort intéressant de la gouvernance mondiale. Mais vous avez ici la photo d'un ancien ministre québécois. Ça va introduire un peu après... partagez l'émission, faites l'écouter à tout le monde. C'est Marc-Yvan Côté, ancien ministre du gouvernement de Robert Bourassa. On l'appelait le bœuf de Matane. C'est un homme qui en a mené large dans la politique québécoise dans les années 90-2000. Et ici, lors de la commission Charbonneau dans les années 2000, dans les années 2015, aux alentours de ça, on a eu une commission ici sur le financement des partis politiques. Et M. Marc-Yvan Côté, à cette image-là, que moi, je la considère historique, la juge Charbonneau ou l'autre dame là, qui était là, lui a demandé, écoutez, M. Marc-Yvan Côté, vous qui avez
ramassé beaucoup d'argent en cash dans les campagnes électorales un peu partout dans le Québec. Et il était reconnu pour être le financier. Ce monsieur-là a travaillé pour la firme Roche avant, pendant et après sa carrière politique. C'est ça aussi qui l'a rendu populaire. Donc, il y avait les contacts de plusieurs hommes d'affaires, d'hommes d'influence à travers le Québec. Et quand il était le temps de faire le financement, ben c'était Marc-Yvan Côté qui sortait avec sa manette et qui allait récolter l'argent pour le Parti libéral. Et pendant cette question-là, on lui a demandé, c'est épais combien 10 000 $ en cash? Et là, il nous avait montré ça, il y avait juste à peu près ça. Alors, c'est pour ça aussi que je vous ai montré cette belle image-là. Il y a la 22 et je crois qu'il y a celle-là. Non, pas celle-là, ça, tantôt. Ça, c'est Mme Normandeau, je vais vous en parler tantôt. Mais restons sur les 100 $. Bref, vous avez ici là, l'exemple dans ce papier-là, le prix dans une saisie, là. Vous le voyez, l'épaisseur de ce que ça représente. Un élastique de ça, là, c'était environ 10 000 $. Donc, très intéressant. Alors, c'est pour ça que, oui, ça va nous amener à cette photo-là, effectivement. Attends un petit peu, Jean-Marc. Ah oui, ici, on va en parler tantôt. Toutes les coupures puis tout ça, comment ça fonctionne, le financement? On va reprendre un petit peu la commission Charbonneau. Parce que j'ai rencontré une dame qui a connu les bas-fonds de la politique française et comment ça marche, comment on récompense ceux qui travaillent pour le système. Et j'ai eu un entretien fort intéressant avec Mme Christine Devier-Joncourt, qui doit sûrement écouter l'émission en ce moment, que je salue bien bas. Donc, pour plusieurs Québécois, vous allez la découvrir en deuxième partie d'émission. Je vous passe une entrevue qui dure environ 1h15 Mme Christine Devier-Joncourt, qui parle, entre autres, de comment fonctionne le système. Et on va sûrement avoir d'autres rencontres avec Mme Devier-Joncourt, parce que je dois vous dire là que ses connaissances, c'est une battante. C'est une femme d'une intelligence et d'une culture exceptionnelle et qui est disponible pour le partager son expérience pour qu'on réussisse une fois pour toutes à nettoyer cette pourriture-là qui gangrène tout notre système politique. Et avec elle, je vais pouvoir aborder à fond des sujets qu'ici au Québec, on a essayé de vous faire à croire. Là, il y a eu la commission Gomery au niveau canadien. Ensuite, il y a eu la commission Charbonneau qui a essayé de nous expliquer comment on a financé les partis politiques, comment ça fonctionnait. Puis au bout de la ligne, toutes ces démarches-là, ça a fini en queue de poisson. Et aujourd'hui, on n'est pas plus avancé qu'on l'était avant ces commissions d'enquête-là. Il y a un silence médiatique là-dessus. Il y a une collaboration de plein de gens d'influence qu'il faut essayer d'éclairer tranquillement avec des gens connaissants. Et quoi qu'on peut se dire de cette grande dame française-là, son expérience nous est très utile aujourd'hui pour mieux comprendre. Donc, sans plus tarder, on va passer à... dire bonjour à M. Marc-Yvan Côté. Bonjour. Et on vous revient tantôt, tout de suite après la chronique de Mme Annette Matheux. Mme Matheux, bonjour. Bonjour, Monsieur Brochu. Bonjour, bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs ou téléspectateurs. Voilà. Il fait pas très beau à Paris, hein. Je sais pas quel temps vous avez, vous, mais nous, il fait pas très chaud, 17-18 degrés à l'heure actuelle. Et puis, c'est pas l'été, quoi. C'est pas le plein été. Non, puis ici aussi, au Québec, je l'ai dit à l'émission hier, Annette, il mouille au Québec à tous les jours. Des orages violents, j'en ai filmé sur ma page Facebook, je pense que tu les as vus. Ouais. Donc, et des orages la nuit là, qui duraient environ une demi-heure, trois quarts d'heure à gros jets. Donc, les champs ici au Québec sont saturés,
même qu'on va commencer à... Une chance que la germination est déjà faite. Donc, ça limite les dégâts parce que si on avait eu ce puits-là là, aux semences, le problème aurait été pire. Mais il y a déjà, là, dans certaines régions du Québec, qu'on a des problèmes sur les cultures qui sont saturées d'eau. Je passais dans le coin de Sainte-Julie hier, je regardais les champs. On a quelques champs de culture dans le pourtour de Montréal. Et si on jette un coup d'œil, là, il y a plein de champs inondés. Donc, ici aussi, ceux qui parlent de réchauffement climatique en ce moment, c'est pas, en tout cas, on ne remarque pas ça ici au Québec. Oui. Et je pense qu'il y a des régions en France où ça se produit aussi. Et donc, il pleut la nuit, par exemple, un petit moment. En fait, on ne va pas réaborder le sujet, mais je pense que ça a un peu à voir avec les épandages de produits qui permettent de modifier, d'amener de la pluie si on veut, etc., etc. Et là, c'est dommage, ça va vous pourrir les récoltes, là, si ça continue. Hein? Oui. Hier, j'étais au jardin, j'ai été récolter mes tomates et autres, mais en tout cas, cette année, là, ils ne peuvent pas dire qu'il y a eu de sécheresse au Québec. Ils ont essayé de nous faire peur avec ça au début de l'été avec des feux de forêt. Oui, on avait apparaître là, un peu de fumée dans le ciel du Québec, mais là, aujourd'hui, le problème est derrière nous. Madame Annette, parlez-nous un peu de votre chronique aujourd'hui. Vous allez nous parler de quoi? Alors, cette chronique, elle parle de la grande réinitialisation alimentaire. Alors, on connaît déjà le Great Reset de Klaus Schwab du Forum économique mondial qui a été publié en 2020. Et bien ici, il s'agit de cette même idée, mais au niveau alimentaire. Alors, j'ai pris le document qui a été publié par un auteur et lanceuse d'alerte qui s'appelle Marguerite Roth, qui fait de très bons documents. Enfin, elle récupère elle aussi les informations de différents endroits et ensuite elle les propose. Et donc, ce document qu'elle a et que j'avais publié déjà au mois de février, elle l'a pris au Corbett Report. Je ne sais pas si c'est bien comme ça qu'on dit, The Corbett Report. En fait, je veux dire deux mots de cette personne. C'est James Corbett qui, en fait, en faisant les recherches, j'ai vu qu'il est canadien, mais il vit depuis 19 ans au Japon. Et il a créé en 2007 ce site et il publie énormément de documents dans tous les domaines. Alors, ça parle beaucoup du 11 septembre aux États-Unis, pour mettre à jour un peu la vérité sur ces événements. Également, l'état policier, sur l'eugénisme, sur la géopolitique, sur les monnaies numériques, la fraude bancaire occidentale, etc. La télévision qui est un véhicule de propagande, et qui aide les médias à faire des lavages de cerveau, enfin voilà, des sujets très intéressants qui, vraiment, vous avez une photo, je crois, de James Corbett, qui est avec le titre, disons, du site. C'est un homme assez jeune, il a, je crois, à peu près 44 ans, quelque chose comme ça, voilà, le voilà. Et donc, il fait un travail énorme parce que je pense qu'il a publié des vidéos, des podcasts et tout ça qui prennent des milliers d'heures. C'est vraiment un travail énorme. C'est un journaliste d'investigation qui a été primé, qui a fait des conférences aux Pays-Bas, dans différents endroits, au Japon également. Peut-être est-ce après ça qu'il est resté là-bas. Et donc, c'est en 2007 qu'il a lancé ce site vraiment très intéressant. Alors, si on est intéressé, on peut trouver des informations en particulier sur, je crois que c'est Odyssée, le site qui permet de publier des vidéos qui sont souvent effacées, supprimées par Google, et donc Odyssée permet de publier ces choses-là. Donc, ce que je ferai après, j'ai toute une série de liens que j'ai notés au fur et à mesure pour indiquer finalement ce dont je me suis servi pour parler de toutes ces choses, puisque bien sûr,
Je n'ai pas la science infuse et ça n'est pas moi qui invente ces choses. Mais par contre, je récupère ces données et je les mets à disposition des gens pour qu'ils s'informent et qu'ils fassent des recherches par eux-mêmes pour confronter les informations que je publie aux leurs. Alors, James Corbett donc a publié ce document où il parle de cette réinitialisation alimentaire, et il dit que nous devons nous intéresser à ce domaine parce que ça nous concerne, et pour essayer, disons, d'arriver à se libérer un petit peu de tout ça. Alors, quels sont les gens qui l'incriminent? Quels sont les gens qui, d'après lui, sont responsables un petit peu de cette grande réinitialisation alimentaire? Eh bien, vous ne serez pas surpris sans doute si je vous cite la fondation Rockefeller, la fondation Bill et Melinda Gates, qui est maintenant, je pense, la fondation Gates, puisque Melinda a divorcé de Bill, hein, après qu'elle ait appris sa présence sur l'île de Epstein. Puis voilà. Faut aussi rappeler le divorce de Justin Trudeau, où on essaie de nous faire croire que c'est une grosse surprise là, au Canada la semaine dernière. Et j'invite juste les gens, je ne relonge pas le discours, d'aller voir depuis quand Sophie Grégoire, l'ex-femme de Justin Trudeau, s'est distancé à tout le moins de Justin Trudeau. Il faut fouiller, entre autres, le passé de Justin Trudeau quand il était professeur d'art dramatique dans le coin de la Colombie-Britannique, dans le coin de Vancouver. Et il y a une histoire là que quand Sophie, elle a appris ça, parce que Sophie, elle ne savait pas ça au début, c'est là qu'il y a eu des petits problèmes. Puis c'est à l'image de Melinda Gates. Quand elle a appris que son tourtereau a été sur l'île d'Epstein, pas juste une fois, parce qu'il aurait pu dire à Melinda, écoute, je me suis trompé. Ils m'ont dit qu'on s'en allait à un tournoi de cartes, puis je me suis aperçu qu'il y avait des femmes là pour nous, donc je n'ai pas embarqué. Mais quand tu y vas 17 fois, quand un gars comme Bill Clinton y va 26 fois, tu te dis, mais il aime donc bien jouer aux cartes, ce gars-là. Puis là, on essaie de nous faire croire que c'est suicidé. Ça marche pas, là. Les Occidentaux qui sont dans le narratif de Hollywood, là, concernant le dossier Epstein, puis vous m'abordez Melinda, ben dites-vous, là, que ces hommes-là, là, ont même réussi à amener leur manigance dans l'ignorance de leur conjointe, pour vous dire comment ils sont hypocrites. Donc, on continue. Absolument. Donc, alors la Fondation Rockefeller, cette fondation célèbre, eh bien, elle s'est beaucoup intéressée à différents domaines, et en particulier au niveau de l'agriculture, et en particulier en Afrique. Il s'agit de ce qu'on appelle l'AGRA. L'AGRA, agence... Je ne vais pas retrouver le nom tout de suite, voyons. Voilà, je vais reprendre l'AGRA. L'AGRA. AGRA, A-G-R-A, oui, tout à fait. Donc, c'est l'Alliance, Alliance pour une révolution verte en Afrique. Hein, et on nous donne une vision idyllique, bien entendu, de cette AGRA. Elle existe pour réaliser une vision de l'Afrique où l'Afrique peut se nourrir et nourrir le monde, transformant l'agriculture d'une lutte solitaire pour la survie en une entreprise florissante. Eh bien, ils ont créé l'AGRA en 2006. Qui y avait-il ? Il y avait bien sûr Rockefeller, il y avait les fondations Gates, l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, hein, cette agence qui, là aussi, elle a de jolis discours, hein, j'en dirai deux mots après, également le gouvernement du Royaume-Uni, de l'Allemagne, etc. Je n'ai pas cherché le etc., mais il y en a d'autres qui font partie de ça. Eh bien, cette AGRA, créée en 2006 en Afrique, s'est conçue comme une fondation qui est basée en Afrique et qui est dirigée par l'Afrique. Alors là, laissez-moi rire. Hein. Je pense que, bien sûr, on y met devant
des personnalités africaines, des présidents africains, etc. Mais derrière, qui tire les ficelles, bien sûr, ce sont toutes ces fondations et tous ces gens qui mettent l'argent et qui donc dirigent l'agriculture dans le sens où ils veulent. Et bien entendu, on va y mettre des pesticides, on va y mettre tout ce qui peut rapporter de l'argent à toutes ces multinationales, hein, qui n'arrêtent pas de s'enrichir sur le dos des peuples. Alors, cet AGRA a donné lieu à un document très intéressant qui est fait par des Hollandais. Et je donnerai le lien également là-dessus. Ça s'appelle « AGRA et fausses promesses ». J'ai mis une photo du document parce qu'en fait, il y a plusieurs documents qui sont sous format PDF et qu'on peut télécharger gratuitement. Et c'est intéressant d'avoir toutes ces données justement pour se rendre compte un peu de tout ce qu'on nous raconte, de tous les mensonges qu'on nous raconte. Et bien entendu, donc, en plus de la Fondation Rockefeller, on a aussi la Fondation Bill Gates qui s'est infiltrée là-dedans, puisqu'elle, il y a l'histoire de la nourriture, mais il y a aussi les médicaments, les vaccins, etc., etc. En Afrique, il y est depuis très longtemps déjà. Alors, la Fondation Rockefeller elle-même, elle a, voyons si j'arrive à retrouver exactement le document, voilà. Elle a fait un rapport très intéressant aussi qui s'appelle « Reset the table », hein, je pense « renverser la table » ou « resservir la table ». Et en 2020, quelques mois seulement après le début de la pandémie dont nous tairons le nom, oui. Et peu avant, disons à peu près 2 ans avant que les autorités sanitaires mondiales ne remettent en cause ou mettent en garde contre une pénurie alimentaire, la Fondation Rockefeller avait déjà annoncé et fait tout un document là-dessus. Et là aussi, je vous ai mis la photo qui montre, on voit un monsieur avec plein de nourriture, plein de fruits, etc. Et c'est ce document qui parle le moment où on va rencontrer la façon de transformer la nourriture aux États-Unis. Bien entendu, tout ça, ça suit après. Voilà la photo qui fait partie du document de Rockefeller. Hein. Et il y a tout un dossier qui nous raconte qu'il faut réorganiser la nourriture parce que, disons que pour des questions aussi de climat, de changement climatique, on a besoin d'avoir une nourriture différente. Et c'est comme ça qu'ils nous proposent et qu'ils vendent l'affaire de, les criquets ou les insectes. Hein, vous savez qu'ils veulent maintenant nous faire manger des insectes à tout prix. Et donc, tout ça, c'est une nourriture qui permettrait, semble-t-il, aussi de remplacer la viande. Alors là aussi, Bill Gates, il a tout un travail sur le remplacement de la viande véritable d'animal par des insectes ou par des viandes synthétiques. Hein. Je ne détaillerai pas un peu la façon dont ça se fabrique, c'est un peu complexe et ça demande pas mal d'explications. Hein, mais voilà, pour des questions de changement climatique qu'il faut à tout prix inverser, eh bien, il faut aussi changer la nourriture et remplacer cette belle viande rouge qu'on voit là au milieu par des insectes et par d'autres types de nourriture qui sont fabriquées. Et ça marche bien parce qu'il y a pas mal de sociétés américaines en particulier qui financées par Bill Gates, hein, qui ont développé un petit peu toute cette façon de se nourrir. Alors, c'est intéressant de constater ça à travers vos recherches, de voir comment ils nous proposent des solutions complètement idéologiques, hein, parce que effectivement, moi qui ai enseigné dans les écoles au Québec,
À un moment donné, ça a été à mode de faire sur l'heure du midi, des goûters de criquet. J'avais des profs de sciences qui organisaient ça. Puis à l'époque, on faisait ça complètement dans l'ignorance. Là, on comprenait pas trop l'idée derrière ça. Puis d'ailleurs, la plupart des profs que j'ai vus faire ça ne le faisaient pas dans l'idée de nous faire manger un jour que des criquets. Mais là, aujourd'hui, ils ont poussé l'idée. Et c'est drôle de voir ça, qu'on propose ces solutions-là à tous les problèmes de la faim dans le monde. Quand on connaît toute la force de l'agriculture paysanne, quand je mets mes images de jardin, je vois qu'il y a un intérêt vraiment très intéressant. Et le modèle qui développe eux autres, des grandes villes urbaines, bétonnées, qui disent que c'est ça l'avenir de la planète, on va complètement à contresens de la logique. Donc, ça prend pas des... Pour ressentir ce que vous nous faites ressentir ce matin par rapport à toutes ces idées-là, ben, ça va être difficile de nous mettre dans ce système-là. Parce que on l'a fait l'expérience, on est des Français. Moi, je suis un Français d'origine, Annette. Puis c'est ce qui est beau de la France aussi, comment on a développé les terroirs, comment on a fait de terre. Ici au Québec, là, il y a le génie français de l'agriculture s'est opéré dans plusieurs régions du Québec. Ce qui fait que c'est là qu'on voit aussi avec l'Afrique où on fait toutes sortes d'expériences. Nous aussi, au Québec, ça serait facile à comprendre comment le système occidental anglo-saxon nous a dévié de tout ça. Comment aujourd'hui le tout à l'économie et à la finance nous a éloigné justement de cette logique-là, entre autres, de se nourrir. C'est rendu compliqué dans leur tête. Pourtant, c'est tellement simple. Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs visées là-dedans. Le fait de peut-être de lutter contre la faim dans le monde, mais à mon avis, ce n'est pas vraiment le but recherché, parce que dans ce cas-là, il y a déjà longtemps qu'ils auraient, au lieu de vacciner les gens en Afrique, par exemple, leur proposer, leur permettre de se nourrir, d'avoir de l'eau, des pays un peu développés, hein, et non pas de devoir encore aller chercher de l'eau avec des cruches et tout ça, et de ne pas avoir, même moi je suis allée à Bamako, hein, j'ai un ami à Bamako qui est un responsable politique du parti Sadi, eh bien il y avait des tas de quartiers de Bamako, qui est la capitale, qui n'avaient pas l'eau, ils n'avaient pas l'eau courante, il fallait qu'ils aillent chercher à droite à gauche, mais ils ne l'avaient pas. Et pourtant il y a plein d'argent qui arrive, il y a plein d'argent aussi qui est pillé parce qu'il y a des richesses du Mali que la France exploite, etc., hein, que des entreprises françaises exploitent, et les gens n'en voient pas beaucoup la couleur. Donc, s'il y avait vraiment le projet d'aider ces gens-là, je crois qu'ils l'auraient fait déjà depuis très longtemps. À mon avis, c'est pas vraiment ça qu'ils guettent, et d'autant plus que tout ça, ils le ramènent aussi dans les pays occidentaux maintenant. Et ils nous ont fait déjà depuis des années les OGM. Eh bien, aujourd'hui, il y a deux nouveaux OGM, des OGM d'une nouvelle génération. Et chez nous, par exemple, l'Union européenne, elle veut, et elle a déjà proposé un texte, j'espère qu'il ne sera pas voté, mais ça n'est pas sûr du tout, parce que les OGM devaient être déclarés. Hein, et il fallait que sur les produits, quand il y avait des OGM, ça soit connu. Que les consommateurs puissent voir de quoi se compose le produit et s'il y a des OGM. Ah, puis ça, là-dessus, Annette, félicitations aux Français. Moi, je remarque de l'extérieur que vous avez particulièrement une sensibilité là-dessus en France. Vous croyez en votre terroir. Continuez. Oui. Eh bien, il y a, comment dire, donc l'Union européenne propose pour les nouveaux, ces produits qui sont aussi, où il y a des transformations géniques de ces produits, eh bien, qu'ils ne fassent pas partie des OGM premiers qui étaient obligés d'indiquer, et donc ces OGM-là ne seraient pas déclarés. Ce qui fait que petit à petit, dans tous les produits, on retrouverait, hein, parce que ça fait déjà un moment que
les grillons et compagnie, ça se rajoute, ça fait des farines, ça fait des, dans les biscuits, dans des tas de choses. Hein. Mais là, ceux-là, ils n'auraient pas besoin d'être étiquetés et les consommateurs ne seraient pas informés. Alors, c'est pour ça que nous nous battons, mais je crois qu'il faut aussi nous battre contre les directives de l'Union européenne et chez vous, sans doute, de votre gouvernement aux États-Unis, pareil, pour empêcher qu'ils ne fassent passer ces lois qui mettent les consommateurs et la population, disons, ils tâchent de ne pas informer la population pour qu'elle ne se méfie pas. Et donc, les gens, s'ils ne savent pas, il y a tellement de gens qui ne font plus à manger, qui achètent de la nourriture toute prête, etc., dans les grandes surfaces, eh bien, ces gens-là vont manger tout ça sans s'en rendre compte. Hein. Donc, on a un gros travail à faire de ce côté-là. Et donc, je disais que Bill Gates avait financé, par exemple, et il y avait une photo où on voyait un steak et je ne sais plus autre chose à côté. Eh bien, ce sont des compagnies américaines qui fabriquent donc des aliments synthétiques, hein, et qui se sont pour les pays développés. Ce n'est pas pour l'Afrique. Hein. Il y a eu pour l'Afrique, mais maintenant, c'est aussi les pays développés. Donc, des faux aliments, des faux œufs, des faux produits laitiers, etc. Ils vont nous faire tout ça. Et quel est le but? Moi, je vais dire que le but, là, c'est aussi de nous empoisonner et d'arriver à ce projet qu'ils ont de dépopulation dont je m'occuperai une autre fois. Hein, je ne vais pas aborder ce sujet-là maintenant, mais moi, je pense qu'il y a tout ça qui est derrière la tête de ces gens-là. C'est pas uniquement permettre aux gens de manger, de se nourrir, etc., ni les Africains, ni les gens occidentaux, ni personne d'ailleurs. Ce qui les intéresse, c'est eux de faire de l'argent, de gagner le plus d'argent possible. Et on voit bien Bill Gates, comme il est capable, il met ses œufs dans tous les paniers. Hein. J'ai relevé encore hier un article qui parlait du financement qu'il fait pour des moustiques qui sont distribués à millions d'exemplaires. Et soi-disant, pour éviter le paludisme, pour ceci, pour cela, en fait, moi, ce que je constate, c'est que chez nous, nous sommes envahis par les moustiques, des moustiques qui nous piquent, et j'espère qu'il n'y en a pas de ceux de Bill Gates. Mais je n'en suis pas sûre, parce qu'ils en déversent énormément un peu partout. Enfin, voilà, si je pense qu'il nous faut ouvrir les yeux, il nous faut nous informer, il nous faut chercher, regarder, faire passer l'information aux autres, parce que si on la garde pour soi tout seul, je pense que ça n'est pas suffisant. Il faut informer et donc il faut faire passer l'information. Annette. Oui. Effectivement, puis on travaille à ça à tous les jours, les fins de semaine, on s'implique beaucoup là-dedans, mais je réalise à travers toutes les discussions que j'ai aux les gens autour de moi, parce que c'est une malformation que j'ai comme organisateur politique, puis quand je traite d'actualité, j'aime bien voir un peu l'état de l'opinion publique, puis la semaine dernière, encore une fois, j'ai rencontré des gens qui écoutent les médias de masse, et je m'aperçois qu'on ne peut pas tirer sur la fleur pensant qu'elle va pousser plus vite. Il faut quand même être conscient, puis je pense que vous l'êtes également, que c'est de l'information qu'on doit donner le temps à ceux qui l'apprennent pour la première fois, ou des gens autour de nous qu'on aimerait qu'ils s'informent. On peut y aller à petite cuillère. Il faut être patient aussi. Il faut être patient, même si des fois, moi le premier, je m'aperçois des fois que je manque beaucoup de maturité. Je deviens très émotif parce qu'on fait ça pour essayer d'allumer les gens. Mais il faut faire, mettre nos attentes pas trop élevées parce qu'on vient fâcher. Hein. C'est vrai qu'on aimerait que ça aille plus vite. Hein, mais je pense quand même que petit à petit, il y a des choses qui se passent. Alors, les réseaux sociaux font un certain travail, mais il est souvent brimé parce que les plateformes qui ont les réseaux sociaux, ils essayent de supprimer ou d'empêcher les informations importantes. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils mettent des filtres pour que les informations qu'on donne, elles ne soient pas vues par grand monde. Hein. D'ailleurs, moi, il y a des fois, je me dis, j'ai presque envie de me retirer de ces réseaux sociaux. J'ai même certaines fois envie d'arrêter mon blog parce que je me dis que
je passe énormément de temps, je sors très peu et je pense que dans, vu le nombre d'années que j'ai déjà, le peu qui me reste devant, certainement, je ferais peut-être mieux d'aller me promener, d'aller voir la plage, etc., de prendre un peu le soleil. Mais c'est vrai que j'ai du mal à m'en empêcher de faire tout ça. Mais on est souvent déçu par le travail qu'on fait, l'implication qu'on y met et les résultats qui se font, quoi, qui ne sont pas à la hauteur du travail qu'on rend. Mais finalement, je pense que c'est… Moi, j'ai été fille, je crois que je te l'ai déjà dit, j'étais fille, je suis toujours, mais eux ne sont plus là. Mes parents étaient des républicains espagnols qui ont quitté l'Espagne en 1939, hein, à la fin de la guerre civile espagnole. Et ils m'ont donné cette envie de me battre, de dénoncer les injustices et voilà. Et j'ai du mal à m'en empêcher, même si parfois je suis un peu triste, disons, de me battre un peu contre des moulins à vent. Mais malgré tout, c'est dans ma nature. Et je pense que, bon, tant que je pourrai, je continuerai quand même. Et en tout cas, je suis très heureuse de venir chez Brochu en direct parce que je t'apprécie beaucoup. Je vois tout le travail que tu fournis, tous les gens que tu fais venir qui sont très intéressants. Et je pense qu'il faudra que je te propose quelqu'un justement qui est du Mali. Il n'est pas au Mali en ce moment, mais il est du Mali. C'est un responsable politique de haut niveau. Moi, je le considère à la hauteur de Thomas Sankara. Tu as entendu parler de Thomas Sankara, qui était président du Burkina Faso et qui a été assassiné. Je pense un peu avec la connivence de la France. Et à l'époque, c'était Mitterrand qui était au gouvernement. Eh bien, celui que je te proposerai, je vais lui proposer à lui aussi s'il veut, parce que je pense que sur l'Afrique, on manque quand même beaucoup de renseignements. On nous raconte beaucoup de choses qui ne sont pas toujours exactes. Et lui pourrait apporter un éclairage, je pense, intéressant à ce niveau-là sur le Mali et sur d'autres pays, puisque je lui ai demandé dernièrement un article sur ce qui s'est passé au Niger. Et il m'a apporté un son de cloche un peu différent de celui qu'on entend un peu partout, quoi. Donc, c'est vrai que de multiplier les sources, ça permet aussi d'avoir davantage d'informations et d'être au plus près de la réalité. Voilà. Effectivement, avec l'actualité qui avance beaucoup en Afrique, ça fait longtemps que j'écoute Afrique Média, entre autres, sur le conflit ukrainien. On en a souvent parlé à l'émission, comment je trouve rafraîchissant la position de la plupart des commentateurs francophones africains sur la guerre en Ukraine. Et moi, comme Québécois, il y a une chose qui me rejoint beaucoup chez les Africains que je connais très mal. Je n'ai pas pris la prétention hier avec Yves Bataille de connaître l'Afrique. On va avoir Bernard Lugan demain en entrevue qui va venir expliquer aux Québécois. Puis il y a un passé colonial. C'est ça qui me rejoint beaucoup avec les Africains. Ils ont un passé colonial qui les ont déstabilisés complètement, où il y a une partie de la population qui ont cru à tous les beaux rêves des régimes coloniaux, même que, c'est ça, on s'aperçoit qu'ils ont eu des partis pris. Le régime colonial français s'est vu coincé avec d'autres régimes coloniaux en Afrique, ce qui a créé encore plus d'instabilité, ce qui a amené à croire souvent à mes confrères ici au Québec, complètement ignorants de la situation en Afrique, de conclure très rapidement. On est bien quand on est ignorant parce qu'on peut vivre dans l'oisivité. Et ce qui fait dire à beaucoup des miens, puis on le voit aussi en Ukraine, « Ah, ça, c'est des régions, ils sont nés dans la guerre. Ils aiment ça se battre. » Puis donc, on conclut rapidement pour revenir à notre match de hockey ou de football. Donc, forcément, je vais en parler tantôt. Quand on est il y a eu un film ici au Québec qui était de Denis Arcand, Le confort et l'indifférence, où il a montré comment il allait être difficile d'avoir notre indépendance dans une colonie où on nous a mis dans le confort et l'indifférence. C'est un peu ça aussi. Moi qui me rejoins beaucoup des Africains, puis c'est de valeur qu'on commence à en parler parce que là, ils auront des guerres, mais
on va approfondir nos connaissances. Mais les guerres, elles sont provoquées généralement par les anciens colonialistes qui continuent à piller, même s'ils ne sont plus à la tête des États, ils continuent à piller au niveau économique. Et quand on regarde où il y a des guerres, c'est là où il y a des richesses de toute façon. Hein. Qu'est-ce qu'il y a au Niger ? Qu'est-ce qu'elle veut la France au Niger ? Je crois que c'est de l'uranium, non ? Alors, quand on regarde la carte d'Afrique, qu'on voit les richesses et on voit là où il y a des guerres, ben on voit bien que ça, tout ça, ça va ensemble. Hein. Et ce sont les anciens coloniaux qui provoquent tout ça et les multinationales qui pillent ces pays-là au détriment de la population. Et la population qui en plus autrefois se nourrissait par elle-même et qu'on a obligé maintenant très souvent à faire des productions pour renvoyer après dans les pays européens ou tout ça. Et du coup, ils ont abandonné très souvent ce qui leur permettait de se nourrir. Hein. Et donc, on voit comment finalement, c'est nos pays souvent qui les appauvrissent et qui les mettent dans la misère. Voilà. Puis, c'est une réflexion qu'on a eue du juge Masqué il y a 2 semaines, où il nous disait qu'aujourd'hui, notre système est complètement corrompu. Et ce qui fait que vous et moi prônons quasiment l'effondrement de notre propre société pour nous sortir de ce piège infernal-là. Donc, parce que la chose qui est difficile aussi à faire comprendre, c'est qu'il y a vraiment une remise en question de tout ce qui est autour de nous. Absolument. Et qui est contrôlé essentiellement par une finance qu'on a perdu le contrôle. Il a été très intéressant de voir, autant avec la COVID qu'avec la crise en Ukraine, comment il est facile, quand ils ont le goût de régler des dossiers, comment ils ont la main longue, puis là, ils peuvent, entre autres dans le cas des Russes, les oligarques russes, les paradis fiscaux, ils ont réussi à les trouver, à saisir leur bateau, à tout saisir. Puis vous et moi, on sait qu'il y a des paradis fiscaux, puis il n'y a pas aucun journaliste qui essaie de commencer à fouiller c'est quoi l'argent qui est là-dedans. La finance est rendue tellement vaste, il y a tellement une économie virtuelle qui s'est développée autour de ça. Virtuelle veut quasiment dire aujourd'hui artificielle, qu'il y a des pays, effectivement, comme la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres qui ont subi l'hégémonie américaine, qui disent « c'est assez ». Et tous ceux qui ont voulu remettre ça en question l'ont payé de leur vie. Mais là, depuis que la Russie tient le coup en Ukraine depuis 2 ans, là, on réalise de plus en plus les failles de ce système-là. Zelensky nous permet de voir comment le système est pourri. C'est à travers des épreuves de chaos comme ça que, bizarrement, la conscience collective s'allume. Et la COVID a fait peur complètement aux gens par rapport à la mort. Et quand on règle ça, quand on a la foi, quand on commence à réfléchir là-dessus, ben c'est des choses qui, à un moment donné, on devient plus manipulable. Et ça, faut puiser profondément en nous. C'est des choses qui nous ont brassés. Puis c'est ça qu'on essaie de faire, Annette. Moi aussi, moi, les premières fois que je t'ai vu en privé, j'ai tout de suite reconnu tes qualités de battante. Donc, ce qui nous relie beaucoup, c'est nos valeurs. Puis moi, depuis que j'ai ce drapeau-là ici à l'arrière de moi, le Sacré-Cœur, le drapeau Sacré-Cœur qui représente la splendeur de la société canadienne-française de religion catholique qu'on nous a demandé de renier, nous, dans l'histoire. Depuis les années 60, nous, au Québec, puis en France, c'est la même chose. On a essayé de nous couper de nos racines aussi. Donc, on a mené des procès d'ignorance à plusieurs éléments de notre société au Québec parce qu'on a été essentiellement menés par nos ennemis. Donc, l'histoire s'est écrite par ceux qui nous ont conquis en 1760, c'est-à-dire les Anglais. Ça nous a même, dans ce régime colonial-là, il y a certains historiens au Québec qui nous ont essayé de nous faire croire qu'au Québec, on était la seule colonie anglaise qui, après une conquête violente et après plusieurs épisodes où on a voulu reprendre notre territoire, où ils nous ont... il y a certains, aujourd'hui, historiens,
dans le triomphalisme anglo-saxon, dans tout notre imaginaire développé par Hollywood, qui, ici, au Québec, ont essayé de nous faire croire que le régime colonial britannique, mené essentiellement par une mentalité orangiste, nous aurait permis, ici, de nous développer. Que c'était grâce aux Anglais que les Québécois francophones d'Amérique sont... on a oublié une parenthèse de l'histoire et on a essayé de nous faire oublier toute la splendeur de nos valeurs qu'on a développées ici. Grâce aussi à un phénomène historique que nous, quand on était conquis, on était complètement coupés. C'est ce que je comprends d'un dernier mot. On était complètement coupés de la France. Donc, on a développé notre propre mentalité ici. Et on n'a pas connu les événements de la Révolution française. Mm-hmm. Que certains républicains canadiens-français ont essayé de nous emmener dans ce drame-là dans les années 1830, mais qui a été réprimé. Et c'est ce qu'on réalise. Qu'en étant coupé de la France, ça nous a gardé dans de la France d'avant 1760. Oui. Mm-hmm. Et sans complexe, ils nous ont complètement abandonnés. C'est ce que Charles de Gaulle nous a dit. Ils nous ont oubliés dans un banc de neige. Puis on n'a jamais rapporté au régime français énormément. La seule chose qu'il y avait ici, c'était de la fourrure. Puis quand la mode du velours a passé en France, le commerce, là, ici, malheureusement, on n'a pas trouvé d'or. Bien, je dis malheureusement, puis ça a fait qu'aujourd'hui, je vous parle encore en français. C'est ça qui est merveilleux aussi. Ah oui, ça c'est vraiment... Et en plus, le français d'autrefois, hein, parce qu'aujourd'hui, chez nous, il y a presque plus d'anglais que de français. Alors, franchement, on est un certain nombre à se battre contre ça et à dénoncer... les emprunts à l'anglais, imposés par aussi l'Union européenne, par Grande-Bretagne et États-Unis, etc., hein, pour nous coloniser un peu plus aussi. Et c'est vrai que chez nous, malheureusement, on a à l'université, dans beaucoup d'endroits, on a beaucoup d'anglais qui se substituent aux français. Et ça, c'est... Et l'autre chose que je veux te partager aujourd'hui, Annette, dans l'histoire que je réalise récemment grâce à la vision de d'autres gens qui connaissent bien leur histoire, entre autres Jean-Claude Pomerleau, c'est que les nationalistes québécois aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, on honore la mémoire des patriotes. Et le modèle qu'on donne essentiellement, c'est les patriotes de 37-38. C'est essentiellement des patriotes inspirés de la Révolution française, de tout. On n'avait pas encore tout à fait compris. Même moi, aujourd'hui, ma vision de la Révolution française, malgré mon ignorance de tous les événements, je ne la connais pas beaucoup, mais nous, on nous l'avait vendue comme une révolution du peuple. Puis hier, certains me l'ont dit, oui, c'est le peuple qui l'a commencé, mais après ça, les élites, la franc-maçonnerie et tout, a pris ça en main, puis en ont fait ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, vous êtes pogné avec ça. Vous êtes pogné avec la gauche puis la droite depuis ce temps-là. Ils vous ont mis dans des groupes idéologiques. Nous, on a Lionel Groulx qui nous l'a dit. N'embarquez pas là-dedans. Nous autres, il nous l'a dit dans les années 1900, au début. N'embarquez pas dans le piège des anglo-saxons puis dans leur système démocratique où ils vont nous cantonner dans des partis politiques nous faisant croire qu'on a le choix. Et ça, on le réalise aujourd'hui grâce aux crises. Puis on le ressent autant en France qu'au Québec. Donc, en se jasant comme ça, on essaie de... Moi, je te dirais quand même que même si au niveau des partis politiques, il y a beaucoup à dire, je pense quand même que si on est sincère et qu'on se dit de gauche, on défend un certain nombre de valeurs, de justice, d'équité. Alors après, que ça soit... dévoyés, détournés, et que les gens qui se sont fait élire avec ces programmes-là, quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils font tout autre chose, c'est exact. Hein, et surtout ces derniers temps avec Macron. Mais malgré tout, moi je pense, enfin en tout cas moi, fille de républicains espagnols, et qui étaient communistes d'ailleurs, ils étaient républicains et communistes. Alors après, tout le monde n'est pas d'accord, hein, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses d'idées qu'on défend, de valeurs, qui me semblent être souvent de gauche. Je ne veux pas dire qu'à droite, il n'y ait rien qui vaille la peine. Et ce que j'ai pu constater, moi, quand même, c'est que, d'ailleurs, c'est pas
Moi, ce n'est pas les personnes que je vais incriminer, hein, c'est le discours qu'elles peuvent avoir. Parce qu'il y a des gens qui sont de droite ou qui se disent de droite et qui ont un cœur généreux, etc. Hein, ce n'est pas ça qu'il faut mettre en cause. Par contre, ce que j'ai constaté, moi, c'est qu'avec cette pandémie, ceux qui se sont dressés pour protester, pour dénoncer, etc., ça a été surtout les partis de droite et pas tellement les partis de gauche. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus soumis, qu'ils ont davantage l'habitude de se soumettre, hein, je pense. Mais en tout cas, j'ai pu constater ça. Et je sais qu'on a dit de certains de ces gens qu'ils étaient d'extrême droite. Moi, je crois que c'est absolument faux. Il y a peut-être des gens d'extrême droite qui l'ont fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de gens qui étaient de droite, avec des valeurs aussi de droite, certaines que l'individualisme que je ne partage pas toujours, mais qui ont des valeurs aussi, se sont dressés contre tout ce qu'on nous imposait, que ce soit le passeport, enfin le pass numérique, enfin toutes ces choses, les manifestations qu'on a fait dans les rues de Paris et tout ça pour protester contre l'obligation vaccinale et tout ça. Au niveau de l'Union européenne, il y a plein d'élus hein, qui sont, même certains, il faut le dire, du Rassemblement national, qui se battent contre tout ça. Et je crois que l'honnêteté veut qu'on le dise. Hein. Et moi, j'ai pu constater que, par exemple, le PCF ici, hein, Parti communiste français, pour moi, il est complètement à côté de la plaque et il n'a rien défendu à ce niveau-là. Et il parle toujours de science, la science, la science. Mais la science qu'on nous a vendue à la télévision, ce n'était pas de la science. Hein. Et pourtant, c'est ça qu'ils défendent. Donc, je pense qu'il faut essayer d'être honnête et de reconnaître ce qui est. Hein. Voilà. Il y a des gens de différents bords qui se sont unis pour aller contre tout ça. Et moi, je suis de gauche. Je peux dire, même si ça ne plaira pas à tout le monde, que je suis fille de communiste et que j'ai récupéré beaucoup de ce qu'ils disaient. Hein, ils m'ont élevée dans cette idée-là. Et je me suis élevée contre tout ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire mon blog, d'ailleurs, pour aller contre et pour dénoncer tout ça. Voilà. Excuse-moi, je me suis mis un petit peu en avant aujourd'hui, mais voilà, je veux quand même... C'était très intéressant, Annette. Ça a été très intéressant. Je veux quand même dire ce que oui. Je suis, quoi. Voilà, je suis une... déjà là, ça, j'ai quand même un âge avancé, donc je pense que je ne vais pas faire de coquetterie et cacher certaines choses. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais en terminant ajouter? Écoute, les endroits où on peut te joindre. Oui, je vais mettre quelques liens aussi. Et c'est vrai que je n'ai pas dit un mot de Loosside, hein, comment elle s'appelle déjà? Loosside, c'est ouais, quoi ça? Loosside, oui, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Elle a ah là ouais. aussi, hein, qui sont semble-t-il, là pour aider les gens, etc. Il faut voir tout ce qu'ils arrivent à faire. Et c'est eux qui financent beaucoup, par exemple, pour imposer, pour continuer à imposer le blocus à l'île de Cuba, qui a beaucoup de difficultés, hein, grâce à l'embargo américain, ça, il faut le dire. Et Loosside est là-dedans. Hein. Alors, cette association, cette agence gouvernementale des États-Unis a fait un document qui s'appelle « Stratégie climat de Loosside 2022-2030 » et qui a été publié en avril 2022. J'ai mis aussi une photo de ce document. Et il explique que le changement climatique est une crise qui touche l'ensemble de la planète, avec l'élévation des températures, des niveaux des mers, etc. Les populations du monde entier voient de plus en plus souvent des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, des cyclones, et des incendies de forêt. Moi, je mettais entre parenthèses chemtrails, hein, le thème des chemtrails, et vous verrez comment souvent ça a un petit rapport avec tout ça. En tout cas,
L'USAID estime qu'il faut aussi faire tout un travail là-dessus pour aider les communautés les plus pauvres, hein, bien entendu, et il s'efforce de soutenir ces populations-là. Alors, je voudrais donner un lien, une information sur un document très intéressant, une vidéo très intéressante d'un scientifique français qui s'appelle Jean-Pierre Petit, qui a travaillé beaucoup avec l'armée, donc il connaît tout ça par cœur. Et le thème de sa vidéo, c'est « Manipulation du climat, armes météorologiques, sismiques et cancérigènes ». Et moi, je l'ai publié sur mon blog, je donnerai le lien aussi. Donc, c'est vrai que cette stratégie du climat, cette question du climat, elle est reliée à tout ça. Elle est reliée à la nourriture, elle est reliée à l'agenda 2030 de l'ONU, etc. Tout ce qui nous prépare, il nous prépare aussi une taxe carbone. Enfin bon, tout ça va ensemble et ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve, que ce soit Rockefeller, Bill Gates, etc., etc. Hein, ces gens, les transhumanistes et autres, hein, qui sont là derrière et qui essayent finalement de nous amener là où ils veulent que nous allions. Voilà, je vais peut-être arrêter là. Il y a le Forum économique mondial aussi, mais je ferai un numéro spécial sur eux, de même que j'envisagerai aussi un numéro spécial sur Bill Gates, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'il mérite bien d'avoir un thème spécial pour lui parce qu'il est vraiment partout. J'ai oublié de dire qu'il avait accaparé beaucoup de terres aux États-Unis et il continue ailleurs. Hein. Et ça fait un moment, alors on se demande pourquoi accaparer des terres. Ben, je pense que c'est en relation avec l'alimentation, disons ce qu'ils espèrent faire au niveau de l'alimentation. Mais enfin, on parlera directement de lui, il en vaut la peine. C'est vraiment un personnage qui est partout et qui fait pour moi beaucoup de tort aux populations mondiales. Voilà, je vais peut-être m'arrêter ici. Merci Annette. Écoutez, on va s'en garder pour la prochaine. Maintenant, tu viens toutes les deux semaines et c'est toujours intéressant. Donc, merci, puis on se reparle. Tu as pris une très bonne habitude là, dans le clavardage après de mettre tous les documents. Donc, je t'invite à le refaire à nouveau. Puis, encore une fois, merci. Puis, je suis très content d'avoir découvert la meilleure chroniqueuse de Paris. C'est pour moi un privilège. Bon, tu blagues. Hein? Mais bon, j'adore tes chroniques. J'ai des très bons commentaires. Oui. J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec toi aussi. Voilà, allez. À bientôt. Merci, c'est réciproque. Alors, c'était Annette Matheux en direct de Paris là, qui est venue nous livrer sa chronique à toutes les deux semaines. Donc, toujours intéressant. J'invite les gens encore une fois là, à découper nos vidéos. On est toujours ouvert à ça. Même, on s'en cherche des gens qui pourraient de temps en temps nous proposer des découpures avec un titre. Donc, déjà, quand le découpage est fait, on pourrait... parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, tes émissions durent 2 heures. » C'est des émissions de radio que je fais tôt le matin en se réveillant, prenant un café. Donc, c'est un peu dans cette ambiance-là que j'essaie de vous faire des émissions et des capsules par la suite avec des gens, des invités de France qui ont été peu ou pas connus ici au Québec, mais qui sont d'un bagage intellectuel et d'expérience dans notre culture française qui nous permet de mieux comprendre le monde. Et le capitaine Place, depuis ça fait maintenant 1 an que le capitaine Place fait un travail colossal pour reprendre un peu le rêve du général de Gaulle et tous ceux qui, à un moment donné, sont mis à... dans l'idée d'essayer de créer des alliances entre la France et le Québec pour voir un peu comment on pourrait structurer un État français ici en Amérique. Nous qui avons été, depuis la conquête, relativement très seuls avec notre hiver québécois, qui nous a souvent protégés, de vous parler encore en français ici en Amérique. Moi, j'y crois encore beaucoup, même si on vit des moments difficiles. Puis...
J'aime bien, j'en parlais tantôt avec Annette, de nos amis français d'un peu partout dans le monde aussi, avec toute leur expérience coloniale, historique. C'est toutes des choses que j'essaie de vous mettre en contact aujourd'hui. Et des gens qui ont été très peu sollicités par le mouvement nationaliste depuis le mouvement souverainiste. On a surtout, parce qu'ici, justement, on en parlait tantôt, dans ce fameux débat gauche-droite qu'on a réussi à nous mettre dans la tête ici au Québec depuis une trentaine d'années, qui nous a été introduit essentiellement par les universités, par la gauche, qui aujourd'hui, je suis capable de vous parler de la gauche, mais on recule de 20 ans. Le gros débat ici, c'était souverainiste, fédéraliste. Et ça n'a jamais été réglé. Puis on apprend de plus en plus comment on a été mis dans un cul-de-sac. Pour nous mater cette montée du nationalisme-là. Comment le système canadien a pris ça en charge, nous a mis entre autres dans une logique référendaire. Bref, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Et à travers mes expériences de politique, en plus d'avoir fait des études en histoire, quelque peu, très à l'Université Laval, très minime. J'ai surtout travaillé dans la construction, puis je travaille encore dans la construction. Donc, je m'implique dans la radio depuis 5 ans, mais dans mes connaissances historiques aussi, je me suis impliqué beaucoup au niveau politique et dans l'organisation politique. Et c'est là qu'on arrive avec mon invité que j'ai eu le privilège d'avoir grâce aux contacts, des nombreux contacts du Capitaine Place. C'est une femme que je ne connaissais pas, je vous ai comparé hier à Nathalie Normando, mais soyons très, très, très polis, là. Elle n'a rien à voir. L'intelligence, la culture de cette dame-là, son passé, j'ai fouillé un peu tout, mais j'en connais très peu déjà, mais j'ai eu des entretiens avec, en privé, on a appris à se connaître. Et elle a une expérience énorme dans l'organisation politique. Et c'est de ça que je l'ai questionnée, entre autres, puis qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'on a connecté très bien ensemble, Mme Devier-Joncourt et moi, et j'ai l'impression que on va avoir au Québec une femme qui va venir régulièrement nous parler. Une femme qui connaît le système politique, qui l'a affronté et qui a passé dans le hachoir. La seule comparaison que je ferais au Québec pour que les gens puissent la découvrir avec moi, c'est elle a ramassé tout l'odieux dans une campagne médiatique, juridique, très bien montée dans le système français pour lui faire porter tout le blâme, puis attirer l'opinion publique sur des mélodrames, des liens privés qu'avait Roland Dumas à l'époque, ministre des Affaires étrangères, et cette dame-là qu'on va découvrir aujourd'hui pour plusieurs, pour la première fois. Ce qui m'intéresse chez elle, puis c'est pour ça, Jean-Marc, alors mets-moi la photo de Marc-Yvan Côté. Oui, c'est ça, Marc-Yvan Côté, c'est toi qui connais les numéros, je te laisse la régie. Parce qu'on est à veille d'une entrevue qui a duré 1h40, une femme très généreuse. Voilà, c'est ce que je vais vous parler à mon retour tantôt, brièvement, parce que l'entrevue dure 1h15, donc on va déborder l'émission. Écoutez, là, cette dame-là vient d'une famille d'organisateurs politiques. Et très jeune, elle a été mise dans la soupe politique. Elle comprend très bien. Ses parents semblent, à travers de ce que je sais jusqu'à maintenant, s'être impliqués. C'était des gens impliqués dans la politique, dans l'organisation politique. Puis elle s'est retrouvée, elle dit par hasard, mais à cette heure, je ne crois plus moi au hasard, on voit que la vie l'a amenée à utiliser ses talents et aller dans les profondeurs de la politique pourrie française. Et là, elle nous en apprend sur la franc-maçonnerie. Moi, la franc-maçonnerie, quand on en parle au Québec, c'est très difficile d'aborder ce sujet-là parce que ils sont partout et nulle part en même temps. On va approfondir ce sujet-là dans les prochaines semaines, même si c'est un sujet qui est très dangereux. Moi, avec plusieurs Français que je côtoie maintenant, eux la vivent de façon beaucoup plus intense et elle a été faite surtout
par des Français, des francs-maçons français. Ici au Québec, la franc-maçonnerie, on connaît un peu les origines. Donc, ça a été souvent l'organisation de l'occupant anglais et de d'autres qui se sont greffés là-dedans à travers l'histoire du Québec. Les intérêts économiques, politiques, qui sont tous greffés l'un et l'autre. Nous, on vit dans une colonie où on n'a jamais eu le contrôle de ça. Ils ont même essayé de nous faire croire dans les années 60 puis c'est les libéraux qui nous avaient dit ça. Ils ont pris ça d'un concept de Lionel Groulx qu'on allait devenir maître chez nous. Donc, dans cette montée du nationalisme-là, ils ont réussi en plus à nous mettre le concept de référendum, encore une fois, de la démocratie que nos adversaires contrôlent très bien. On l'a vu en 80 lors du premier référendum et surtout en 95, on a ici accueilli Robin Philpeau, qui est allé fouiller dans nos entrevues, qui a écrit un livre là-dessus sur le vol du référendum de 95. Il y a le chef du Parti québécois là, qui a envie d'en parler dans les dernières semaines. J'ai lu ça à travers d'autres informations. Mais chose certaine, tout ce qui s'est passé en 95 a été essentiellement, entre autres, il y a Lucien Bouchard qui a fait, parce qu'on regarde les bulletins de vote un certain temps et les bulletins de vote du référendum de 95 sont maintenant détruits. Donc, il y a plein de choses comme ça, qu'on a réussi à prouver. On a prouvé que nos adversaires n'ont pas suivi les règlements qui, pourtant, nous ont introduits d'une façon très insidieuse dans le mouvement souverainiste. Et aujourd'hui, tu n'as pas un souverainiste, ceux qui sont beaucoup dans cette logique référendaire-là, pour eux, le salut du peuple québécois existe dans un référendum. Et à l'arrivée de ce grand soir-là, nous serons libérés de façon naturelle et c'est pas de même, malheureusement, que ça fonctionne. Et à travers ça, tu as le Parti libéral du Québec de Robert Bourassa, qui dans les années 80, après le référendum de 80, le Parti libéral va revenir au pouvoir. Et lui, là, ils vont briller. C'est que l'autre chose aussi qu'on a essayé de nous faire croire au Parti québécois, puis qu'aujourd'hui, on faudrait se mettre à genoux, c'est cette fameuse loi numéro 1 du Parti québécois sur le financement des partis politiques. Où là, on nous a fait croire que René Lévesque a nettoyé écoutez, ça a été écrit par un libéral, un ancien libéral. Et donc, quand là, ils sont arrivés avec le projet de loi, tout le monde a dit, waouh, c'est vraiment ça prenait juste René Lévesque et cette révolution tranquille-là pour nous éclairer. Et lui, là, à la commission Charbonneau, puis moi, j'ai des renseignements parce que je suis impliqué beaucoup dans l'organisation politique sur la rive sud de Québec. J'ai eu l'occasion de parler à plein de monde. J'ai des gens dans ma famille aussi qui ont eu la chance d'embauche d'être le chauffeur d'un candidat libéral à l'époque de Robert Bourassa. Donc, je les connais aussi de l'intérieur, puis je me suis toujours intéressé à l'organisation politique. Et c'est là que je vous présente l'entrevue que j'ai eue avec Mme Christine Deville-Joncourt hier. Et soyez attentifs de tout ce qu'elle va nous dire, parce que je vais revenir dans des prochaines émissions avec elle pour approfondir certains sujets. Je le sais que la franc-maçonnerie, quand on parle de ça au Québec, c'est difficile. Ça, là, c'est une petite fleur qui est très peu développée, qu'il faut prendre soin, y mettre de la lumière 12 heures par jour, puis il faut faire très attention à ça si on veut éventuellement mettre le doigt sur le bobo. Parce qu'ici, on voit ça comme un organisme de charité qui aide le Québec à se développer. Et moi, je réalise jusqu'à quel point ils sont partout et nulle part en même temps. Et ça, c'est grâce aux contacts que j'ai avec plusieurs Français qui me permettent de comprendre le phénomène. Mais je comprends très bien que c'est des sujets très délicats et qu'il faut faire, faut traiter ça avec des gens qui connaissent bien de l'intérieur et qui sont, quand on analyse toute l'histoire qu'ils ont eue, c'est merveilleux. Je veux juste avant de passer, parce que on a parlé par la suite avec en coulisses, puis on va juste vous parler de 2-3 ouvrages où elle m'a dit « Carl, j'aimerais beaucoup que tu en parles aux gens du Québec. » Donc, ceux qui veulent comprendre comment les hommes utilisent les femmes au pouvoir, comment entre autres notre ami Jean Charest, hein, que Nathalie Normandeau avait dit « C'est Jean Charest qui m'a tout appris en politique. »
Et quand on connaît ensuite tout ce qu'il a fait avec son bras droit, là, comment il s'appelait, lui? Il y a des gens qui vont me le dire, là, son financier. Là. Quand on comprend tout le système, puis qu'on l'a vu. Ah oui, il va regarder ça. Elle, c'est elle, Nathalie Normando. Pour les Français qui ne la connaissent pas, là, elle avait avoué à la commission Charbonneau qu'elle avait accepté un pot de vin. Et on a mis beaucoup d'attention médiatique là-dessus pour nous faire oublier le reste, bien sûr. Elle avait accepté, je pense que c'était 9 billets d'un concert de Céline Dion qui avait été offert par la firme Roche ou proche de la firme Roche. C'est pour ça que moi, j'ai compris très rapidement le phénomène McKinsey à l'échelle mondiale, parce que nous, au Québec, dans la commission Charbonneau, on a compris comment ça fonctionnait, le financement politique, les firmes de communication, les firmes d'architectes, les firmes d'ingénieurs conseils, comment ils collaborent ensemble quand ils savent qu'il y a des gros contrats qui sont à la portée là, du gouvernement. Il en parle souvent, hein, les barrages hydroélectriques. Dans ce cas-là, là, c'était les garderies. Rappelez-vous des garderies. On avait nationalisé les garderies. Donc, on devait remettre à certains amis ou des gens qu'on disait « Non, 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 ça n'a rien à voir avec la politique. » Rappelez-vous là, du ministre italien là, qu'on avait. Lui, là, il distribuait... tu allais avoir le privilège de bâtir une garderie. Ça impliquait des subventions du gouvernement. Puis Tony Tomassi, un ministre d'origine italienne, c'était lui qui était en charge de tout ce système-là. Donc, si tu voulais avoir une garderie, il fallait que tu... Et c'est ça, Nathalie Normando et plein de libéraux, à un moment donné, ça leur a sauté d'en face. Puis ils ont dû... et c'est là qu'on voit toute la splendeur du système de communication de ces fripouilles-là. Ils ont fait une propre commission d'enquête pour enquêter sur leur gouvernement. Donc, vous comprendrez bien que ça atterrit à toutes sortes d'histoires. Et Nathalie Normando, c'est elle qui a ramassé les pots cassés, un peu comme Christine Devier-Joncourt, qui elle aussi. Mais puis c'est à peu près le seul parallèle que je peux faire, parce que j'ai dit, je vais essayer de trouver de quoi là, qui va frapper l'imaginaire des Québécois. J'ai dit, en parlant de Nathalie Normando, on va pouvoir faire certains liens, mais ça a des limites, parce que Mme Christine Devier-Joncourt n'a jamais été élue. Elle a été mise dans le système pour ses connaissances, d'une famille qui connaissait la game politique. À un moment donné, ce qu'on comprend, c'est que on s'en est servi pour créer des liens. Parce qu'à l'époque, le général de Gaulle, Roland Dumas, il a travaillé, je comprends, dans le gouvernement de Mitterrand. Et Roland Dumas est un homme d'une culture exceptionnelle, d'une intelligence exceptionnelle. Il a ses défauts. Madame Devier-Joncourt va vous en parler de certains, mais c'est pas ça qu'on doit comprendre. C'est que, contrairement à Madame Normando, qui, elle, était élue et vice-premier ministre, du gouvernement Charest, elle aurait dit normalement, on a juste su l'affaire des billets de Céline Dion. Tout le reste, on a tout oublié ça. Marc-Yvan Côté, là, qui nous montre, il est ici, là, qui nous montre ça, là. Lui, on l'a déjà oublié. Mais elle a gardé le silence. Et tous les boss là, qui gèrent entre autres nos radios au Québec, puis le message médiatique, ils ont dit, ma belle, laisse passer le temps, puis éventuellement, on va te remettre sur les ondes, tu vas pouvoir continuer à gagner ta vie. La plupart des libéraux au Québec, puis c'est le cas de plusieurs en France, ils ont une carrière souvent tracée par la suite, si on suit les lignes de la gang. Et pour le connaître de l'intérieur, j'ai vécu dans Beauce. J'ai vécu dans un royaume de libéraux, d'hommes d'affaires qui contrôlent assez. Et quand on s'implique en politique et on se met à analyser un peu, c'est très facile à comprendre. Donc, c'est ce qui m'a attiré aussi chez Mme Devier-Joncourt. Alors là, je vous laisse avec cette entrevue-là. Je reviendrai peut-être rapidement tantôt pour vous faire un petit commentaire. Puis après ça, je m'en vais rencontrer Dominique Delaward, le général Delaward, qui surveillait. Là, si je reviendrai pas. Donc, je remercie tout le monde. J'avais d'autres choses là, que je vous avais préparées, mais on va parler de géopolitique tantôt avec Delaward. Là, savourons toutes les connaissances, l'intelligence, la culture de cette femme-là. Puis, en tout cas, à mon avis, ce n'est qu'un début.
Et on va avoir beaucoup de plaisir à rencontrer régulièrement cette femme-là qui va venir nous expliquer les bas-fonds de la politique occidentale. Alors, merci et on se reparle dans les prochaines heures. Merci, bye-bye. Sans plus tarder, en direct à quelque part en France, je vous présente Mme Christier de Vieux-Joncourt. Mme Joncourt, bonjour. Bonjour à vous, bonjour au Québec. Merci pour cette invitation. Je crois que c'est votre première venue au Québec. Vous m'avez dit hier que vous êtes venue une fois au Québec et vous avez visité la région de la vallée du Saint-Laurent en plein automne, en pleine couleur automnale. C'est tellement beau. Mm-hmm. Oui. C'est votre première présence ici. Alors, un grand merci. C'est apprécié de toute l'équipe de Radio Infocité. Comme moi, je crois que plusieurs Québécois vont vous découvrir aujourd'hui et je suis bien content d'en être votre serviteur pour la prochaine heure. Madame de Vieux-Joncourt, pour les auditeurs, s'il vous plaît, vous présentez quelques instants. Allez-y. Alors, ça peut être très long, mais je vais essayer de le faire très court. J'ai été ce qu'on appelle un fusible. Un fusible, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corruption dans notre pays, comme ailleurs, mais bon, en France, beaucoup. Et il a fallu à un moment donné que quelqu'un porte le fardeau. Ça existe, il y a toujours des fusibles. Et donc, j'en ai pris effectivement plein la figure. Alors, pourquoi ? Bien parce que je suis rentrée chez Elf Aquitaine, qui était la plus grosse compagnie en France pétrolière. On m'a demandé de faire la communication entre le ministère des Affaires étrangères et Elf Aquitaine, et ce travail que j'ai fait pendant 5 ans auprès d'un ministre, qui est le ministre de l'époque, qui était Roland Dumas. Et donc, j'ai fait ce travail. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une histoire de vente de frégates à Taïwan. Taïwan redevient à la une en ce moment, avec la Chine. Et donc, la France devait vendre des frégates, 6 frégates, à Taïwan. Et il n'y arrivait pas, c'était bloqué. Donc, c'était Thomson qui a été débaptisé parce que j'en avais un peu trop dit sur eux. J'avais dénoncé, donc ils l'ont appelé Thalès. Donc, je dirais Thomson Thalès, qui était en charge de ce travail de vente. C'était le énorme. Et nous avions à l'époque les chantiers navals de l'Orient qui étaient en train de mettre la clé sous la porte. Donc, il fallait absolument que ce contrat aboutisse. Or, autant le président Mitterrand et le Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères Roland Dumas, ne voulaient pas. Pourquoi ? Parce que dans les années 65, je crois, le général de Gaulle avait promis à la Chine que jamais la France n'armerait Taïwan. Donc, ça posait un problème et Pékin menaçait des ruptures diplomatiques avec la France si nous aboutissions à ce contrat de vente de ces frégates, les frégates militaires, hein, à Taïwan. Oui. Donc, Elf, pour qui je travaillais, et Thomson Thalès se sont entendus pour essayer de trouver le moyen qu'on intervienne pour faire changer d'avis le gouvernement français et qu'il accepte malgré tout d'aller jusqu'au bout de ce contrat. Et qui en a appelé ? Bah, bien sûr, Christine de Vieux-Joncourt, qui travaillait chez Elf, dont un autre aussi qui travaillait pour Elf, qui était en Chine, Edmond Kwan. Donc, nous deux, nous étions en charge, lui en Chine et moi auprès du ministère des Affaires étrangères, d'essayer de faire aboutir ce contrat. Et voilà, donc tous mes ennuis sont arrivés à ce moment-là. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons réussi à faire cette vente en 91. J'ai travaillé. Moi, je ne voulais pas parce que je ne travaillais pas pour l'armement. Moi, je travaillais pour la pétrolière. Et à chaque fois que j'allais dans le bureau du ministre
Roland Dumas, autant pour travailler pour Elf, quand je suis arrivée pour parler de Thomson, Thales et des frégates, il me mettait dehors en me disant « c'est pas votre travail, alors vous arrêtez de nous enquiquiner avec vos frégates ». Donc pendant un an, j'ai fait ce travail sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et ça a fini par aboutir. Le problème, c'est que quand cette vente a été faite, il y a eu, sur les frégates non armées, parce que nous les avons armées à Singapour, pour pas choquer la Chine. Voilà. Voilà. Donc, on a vendu les coques vides. Et rien que sur ces coques vides, le réseau Elf avait, c'est-à-dire, moi, je travaillais pour ce fameux réseau Elf, avait 1% donné par Thomson Thales. OK ? Et ces 1% revenaient donc à Elf. OK ? Et là, il y a eu des histoires pas possibles. On a appris qu'il y avait des rétrocommissions payées par Thomson Thales auprès des politiques français qui n'avaient rien fait pour faire aboutir ce marché énorme, 4 milliards de francs, sur francs, hein, 4 oui. milliards, je ne sais pas le convertir en euros, ça doit être énorme en euros aujourd'hui, 4 milliards de francs qui ont disparu dans les poches de certains politiques français et quelques militaires à Taïwan, voilà. Et là, ça tout a explosé et Thomson Thales a plus voulu payer le réseau Elf. Enfin bref, ils se sont bagarrés au tribunal arbitral de Genève. Ça a fichu un bazar énorme. Et un jour, sur mon compte que j'avais pour mes déplacements pour Elf Aquitaine, parce que j'avais un salaire normal, donc on m'avait fait une carte de crédit juste pour mes déplacements. Quand j'étais obligée de bouger ou d'aller au restaurant ou de prendre des hôtels, là-dessus, un beau jour, on m'a versé une somme incroyable de 10 millions d'euros. Là, je sais le mettre en euros. Et cet argent n'était pas pour moi. On parle de quelle année? 92. En 92. Oui. Voilà. Et cet argent n'était pas pour moi. Voilà. En 97, on est venu me chercher et on m'a mise en prison 6 mois pour que je donne les noms de à qui devait être destiné cet argent. Et je n'ai pas donné les noms pendant 6 mois. Et on m'a torturée. Un juge qui s'appelait Eva Joly m'a torturée pendant 6 mois. Tout le monde en a pris plein la figure. Ma mère, mes enfants, je vivais seule à l'époque avec mes gosses. Ça a été l'horreur. Voilà. Donc, je suis devenue. Alors, à la fin, bien sûr, on m'a fait un procès. Elf a été détruite. C'est Total qui a récupéré la grande Elf, alors que Total était toute petite. Et moi, j'ai fait 6 mois de prison. Et quand je suis sortie, j'ai voulu dénoncer ce scandale. Et là, les coups sont tombés. Je veux dire que j'ai eu des contrats sur ma vie. J'ai vécu 5 ans à Paris en gilet pare-balles. Et j'ai eu 20 morts autour de moi, des gens qui étaient au courant de cette corruption sur ce marché des frégates à Taïwan. Et donc, qui sont morts, qu'on a tués. Et moi, je suis la dernière survivante de l'affaire des frégates de Taïwan, qui a été, d'après le juge qui a instruit, parce qu'après Eva Joly, il y a un juge qui a ouvert le dossier, qu'il a payé cher d'ailleurs, qui avait dit que c'était le plus gros scandale politico-financier de la Ve République en France. Et c'est Christine qui portait les péchés. Et voilà, oui. Ça, c'est un peu pour ça que je me suis battue pendant 5 ans, donc j'ai dit contre la corruption française. J'étais la première en France à oser parler de corruption politique. Et un jour, on m'a prévenu que j'allais le payer très cher. J'avais des coups de téléphone le matin pour me dire qu'il fallait que j'aille choisir les clous de mon cercueil. Et là, ça a été l'horreur. Je veux dire, gilet pare-balles pendant 5 ans, menace sur ma vie, sur mes gosses. Et ensuite, moi, quand j'ai vu ça, cet argent, bien sûr, qui n'était pas pour moi, je l'ai rendu à la justice. Et quand tout ça a été fini, eh bien, on m'a demandé l'argent augmenté de 10 ans d'intérêt, on m'a demandé 11 millions d'euros alors que je n'avais plus rien. On m'avait supprimé tout, j'avais plus rien, j'avais plus d'adresse.
dès que je logeais chez quelqu'un, les gens avaient des descentes de police. Enfin, je dormais quand j'allais faire la promo de mes livres parce que j'écrivais beaucoup. Je dormais sur des bancs à Paris parce que personne ne pouvait m'héberger. Les gens avaient peur. Donc, j'ai vécu l'enfer. Ma mère en est morte. Ils ont saisi la maison de famille qui a 9 générations de paysans. Mes enfants, leurs pensées saisies. Ma mère a déclenché un cancer. Ils m'ont martyrisé, ouais. Bien martyrisé. Voilà, c'est les rôles des fusibles. En général, les fusibles, on les tue. Moi, j'ai échappé à la mort. Mais il y avait un mort. Des gens qui étaient au courant, qui avaient été à Taïwan au moment où se trafiquaient les rétrocommissions et tout ça. Et donc, ces gens-là qui étaient au courant, mais qui, eux, ne faisaient pas tous les plateaux télé pour dire « si je meurs, ça ne sera pas un accident », ces gens-là, ils y ont passé. Jeté du 5e étage, cancer fulgurant, enfin, ça a été terrible. Voilà, c'était pour dire qui je suis. Alors, effectivement, ça fait beaucoup de bruit jusque sur toute la planète, même en Amérique. Partout, on a parlé de cette affaire Roland Dumas, parce qu'on en avait fait une affaire, Roland Dumas, qui était mon ministre des Affaires étrangères, notre ministre des Affaires étrangères, pour qui je travaillais, qui était devenu un ami de ma famille. Il s'était présenté pour les législatives dans ma région, puisque je suis dans le sud-ouest de la France, mon pays natal. Mes parents l'avaient aidé pour la campagne électorale. Donc, Roland Dumas faisait vraiment partie de ma famille. On a voulu, à travers moi aussi, attaquer Roland Dumas, c'est clair. Parce que Roland Dumas, pendant tout son temps au Quai d'Orsay, en tant que ministre des Affaires étrangères, était beaucoup plus, était très pro-palestinien, pro-iranien, voilà, donc pro-russe. Donc, j'allais dire. Un jour, tout ça, un jour, je le paierai. Et effectivement, il l'a payé très cher aussi. À travers moi, ils sont venus me chercher moi pour l'attraper lui. Alors ça a fait, c'est-à-dire que tout le scandale des frégates a été noyé dans l'affaire Roland Dumas Christine. Vous comprenez? Oui. Ça a permis de cacher le reste. On a été l'arbre qui cache la forêt derrière. Donc je me suis battue pendant des années pour dénoncer ce scandale avec ce magistrat qui a fait ce bon boulot, qui avait remplacé la juge Eva Joly qui était pas très claire, qui ne voulait pas ouvrir le dossier des frégates et qui, on m'a dit, avait été payé pour ne pas l'ouvrir. Donc, voilà, j'avais la justice contre moi, j'avais les politiques contre moi, les médias, mon Dieu, j'étais traitée de putain, de matahari, de... J'ai tout eu. Mais aujourd'hui, je suis la dernière survivante, donc je suis vivante et je continue mon combat. Ça fait 30 ans finalement que je me bats et maintenant je me bats pour autre chose. Je me bats contre le Covid, je me bats contre la guerre en Ukraine, je me bats et je fais un énorme travail sur les réseaux sociaux. Et on me traite de complotiste. Je suis en France sur Conspiracy Watch, je suis cataloguée comme troisième conspirationniste, voilà. On se demande aujourd'hui qui sont les conspirateurs, si c'est les ceux en face ou si c'est nous qui crions la vérité. Oui, Madame Devier-Joncourt aussi, pour le bénéfice de nos spectateurs, j'aimerais que vous nous parliez de vos parents, parce que à travers tout de ce que je connais de vous maintenant. Vous êtes auteur, compositeur, vous avez une vision, une structure vraiment très solide. Donc, j'aimerais que vous me parliez juste un peu de votre enfance, puis comment vous avez comme formation, qu'est-ce que vous avez comme formation? Parlez-nous un peu de vos parents. Alors, mon père et ma mère étaient enseignants. Ma mère français et mon père professeur de dessin parce que c'était un artiste, peintre, sculpteur, graveur. Et donc, il a été instituteur d'abord et ensuite, il a quand il était jeune, et ensuite, il a enseigné à Sarlat, qui est une très jolie ville médiévale dans le sud-ouest de la France, et il a enseigné le dessin. Voilà, mes parents étaient là et je suis originaire du Périgord noir, c'est la Dordogne, c'est en Aquitaine, c'est le sud-ouest de la France, où je suis issue d'une famille de paysans tant du côté de ma mère que du côté de mon père. Et je suis très ancrée dans ce pays parce que, comme disait ma mère, elle a des racines fortes. Je pense que c'est ce qui m'a donné la force de ne pas me suicider ou de pas,
ou de tenir le coup dans ce combat à l'époque, parce que ça a quand même été très dur, toute seule, j'avais pas beaucoup d'appui. Mes deux ex-maris, le premier nous avait abandonnés, on s'était mariés à 18-19 ans, il est devenu ministre de Chirac, il s'est lancé en politique, donc il s'est débarrassé de sa femme et de son fils. Donc après j'ai épousé un deuxième qui était Claude Joncourt, donc Christine Devier, c'est mon nom d'origine, et Joncourt, c'est mon nom de mon deuxième mari, qui lui travaillait pour Thomson, Thales Thomson, dans le milieu médical. Et donc, c'est vrai que, regardez comme c'est bizarre, c'est comme si on parle de destin, mais j'ai pas voulu tout ça. À 19 ans, j'épousais un garçon qui faisait ses études. On était à Paris. On est partis ensemble. Lui, à la fac de droit. Moi, j'étais à la Sorbonne pour l'anglais. Donc, puis quand il a commencé à rentrer dans les cabinets ministériels, là, il s'est débarrassé de sa femme et de son fils. Donc, je me suis retrouvée un peu seule. Et j'ai rencontré Claude Joncourt, qui lui était donc numéro 2 de la Compagnie Générale de Radiologie dans le domaine médical de Thomson, et qui lui avait affaire tout le temps aux politiques, parce qu'à l'époque, en France, c'était comment dire, les entreprises avaient toujours besoin, même encore d'ailleurs, mais toujours besoin des politiques. Alors bon, on finançait à gauche, on finançait à droite, voilà, pour être sûr d'avoir les portes ouvertes au moment où, voilà. Donc j'ai vécu dans ce milieu finalement depuis l'âge de 18-19 ans. Ben voilà. J'ai quitté ma famille, je me suis retrouvée avec des mecs qui étaient de tous pouvoir, hein? Au pouvoir. Ouais, oui, tout à fait. Vous avez quelque chose avec le pouvoir qui. Mais oui, je ne l'ai pas cherché. Oui. Je ne l'ai pas cherché. C'est comme ça, ça m'est tombé dessus. Et ensuite, bah, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du temps de Joncourt, j'ai eu un deuxième enfant, on s'est marié, de celui qui était donc chez Thomson Thales. Et puis là, il y a eu plein d'histoires, on a fermé. Thomson a fermé le médical, donc il s'est retrouvé pas bien, donc il voulait remonter le médical avec son PDG, donc il voulait le remonter au sein de ELF. ELF allait changer de président, donc il fallait mettre un président socialiste, parce que ELF avait toujours appartenu à la droite. Donc là, Mitterrand élu une deuxième fois, ben on voulait mettre un président sur le trône d'ELF. Donc, comme moi, je connaissais Roland Dumas, pourquoi il m'avait approché? Bah, parce qu'il se présentait aux élections dans mon pays contre mon ex-mari. Et comme cet ex-mari m'avait un petit peu abandonné avec mon fils, toute ma famille l'a aidé pour se faire élire C'est là que pays. Ça devient. Voilà. Ça devient la théorie. Oui. Voilà. Et donc, Roland Dumas était élu contre lui. Donc, comme on connaissait bien Roland Dumas, on est venu chercher Christine pour aider à faire nommer Loïc Le Floch-Prigent dans ELF Aquitaine, ce qui a été fait. Voilà. Et ensuite, on est venu me chercher. Moi, à l'époque, j'avais une galerie de peinture à Paris, j'étais plutôt dans le domaine artistique. Puis j'avais monté une petite boîte de communication. Donc, on est venu me chercher chez ELF quand ils sont arrivés au pouvoir. Parce que au ministère des Affaires étrangères, Roland Dumas venait d'être nommé ministre. Il ne s'entendait pas très bien avec Loïc Le Floch-Prigent, donc le président ELF côté socialiste. Et donc, on est venu me chercher pour faire ce travail entre la pétrolière et le ministère des Affaires étrangères, parce que j'avais des bonnes relations aussi avec Roland Dumas, il ne faut pas le cacher. Ben et oui. Que c'était facile d'accès, c'est-à-dire que dès que ELF avait un souci, on appelait Christine, et Christine fonçait au Quai d'Orsay, et elle arrangeait les choses. Je suis partie, j'ai fait tout le tour du monde avec eux, en Afrique, partout. On avait besoin de Christine. À l'époque, il n'y avait pas de portable, c'était Christine le portable. Ah oui. Il y avait un direct avec le ministre des Affaires étrangères. Donc, en 91, on me disait que j'aurais la Légion d'honneur parce que j'avais fait avoir des contrats mirobolants. Et j'avais beaucoup travaillé pour la pétrolière ELF Aquitaine. Et en 97, on m'a mise en prison. Voilà. Et c'est ça la Légion d'honneur.
Ah oui, ah oui, ah oui. Puis c'est là que l'histoire devient très intéressante parce que là, on vous a haché. Moi, j'ai suivi des entrevues que vous avez données à Thierry Ardisson et on connaît toute la presse française, comment elle peut être avide de nouvelles politiques. Là, vous avez fait la manchette. C'est là que je tiens à préciser aux spectateurs du Québec que vous n'avez jamais été élu. Vous avez été dans l'ombre de ces gens-là. Ce qui vous a rendu public, c'est qu'on vous a fait porter des chapeaux. Vous avez, moi, ce que je comprends de l'histoire, vous avez exécuté un plan qui existait et on avait besoin d'une personne de haut talent pour arrimer tout le monde. Et une fois que le travail a été fait, on vous a jeté comme un mouchoir rempli. Oui, mais ils font ça. Oui. Ils font ça tout le temps. Car ils font ça tout le temps. C'est comme ça que ça se passe. Mais moi, quand je suis rentrée chez Elf Aquitaine, j'étais un peu, comment dire, naïve. Oui. Mais là, j'ai découvert au fur et à mesure ce que c'était les dessous pas très propres. Les arrières-cuisines de la Ve République française. Et là, j'ai compris tellement de choses. Et j'ai vu tellement de choses. Et j'ai entendu tellement de choses. Vous savez quoi? On dit que j'ai vécu dans le ventre de la bête. Mais c'est vrai. Écoutez, pour vous donner un petit exemple, en 88, je suis invitée par une personne qui s'appelle Jacques Attali, qui est très connue en France. Okay? Oui, on connaît Nice aussi. À son domicile. Et pendant le dîner, on a parlé, écoutez bien, 88, hein, on parlait de réduire la population mondiale. On parlait d'un vaccin. Moi, je l'ai entendu que ça détruirait 80%, qu'il fallait détruire 80% de la population mondiale qui servait à rien, qui polluait, qui voilà. Je l'ai entendu sur le moment. J'étais pas encore chez Elf. Je suis rentrée chez Elf en 89. Donc ça, c'est en 88. Et après, je suis retournée chez lui d'ailleurs en 89. Mais les propos, c'était hallucinant. Je me disais, mais attends, c'est un fake. C'est pas possible. J'y croyais pas. J'ai cru qu'il plaisantait. Enfin, une plaisanterie de mauvais goût. Mais je l'ai cru. C'est épouvantable. Et regardez ce qu'on vient de vivre avec le Covid. Hein? C'est pour ça. Bon, donc, j'entendais ces choses-là. Et ensuite, c'est vrai que j'ai vu la corruption politique en France. Alors, je ne sais pas comment vous êtes au Québec ou au Canada, j'en sais rien. Mais alors, chez nous, je crois qu'on tient le pompon de corruption. Et écoutez, ici, on vit dans une colonie britannique depuis 263 ans qu'on a perdu. Puis ici, ils sont quand même assez faciles à identifier comme Canadiens-Français, fiers de parler encore le français en Amérique puis d'essayer de faire briller cette culture-là en Amérique. C'est ici... et c'est là que je veux qu'on approfondisse ensemble concernant toute cette corruption-là. J'ai reçu un juge français à la retraite il y a deux semaines qui disait ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption, en parlant des politiciens et de tout le système qui les entoure. Et vous avez été dans le fond de vous les connaissez bien, c'est ce qui... fait de vous aujourd'hui une personne qui peut nous éclairer sur ce qui se passe. Mais moi, ici, je vous ai donné l'exemple, je l'ai donné aux Québécois tantôt à l'émission, je vous compare un peu à Nathalie Normandeau, parce que nous, ici, on a eu deux commissions pour essayer de faire la lumière sur le financement politique. Il y a eu la commission Gomery, la commission des commandites au Canada, parce qu'il s'était passé toutes sortes de choses bizarres aux alentours du référendum ici qu'on a eu en 95, un référendum où on a été volé par le gouvernement canadien. Et on fait une commission Gomery pour essayer de comprendre comment fonctionnait le financement politique. Et vous m'expliquiez que on fait porter la valise. Les politiciens sont toujours protégés là-dedans. Et, attendez, exactement. Oui. Je vais même vous donner un exemple. Chez Elf Aquitaine, il y avait donc le président qui s'appelait Loïc Le Floch-Prigent et son numéro 2, Alfred Sirvin, c'était mon employeur vraiment. C'est avec lui que j'étais un peu
sa carte secrète pour entrer dans le ministère ou pour voilà, ah oui. Parce qu'il savait que j'avais ces introductions. Donc Alfred Sirvin, nous vivions, il m'avait hébergé, j'avais quitté mon deuxième mari parce que ça allait plus du tout. Donc je me suis retrouvée un peu sans rien et donc ils m'ont fait ce contrat de travail et puis ils m'ont hébergé un temps, le temps que je m'organise. Et un jour, ils m'appellent et j'avais une autre charge, c'est-à-dire que j'étais obligée dans cet appartement qu'on m'offrait pour m'héberger, j'étais obligée de donner des dîners. C'est-à-dire que quand les politiques de gauche ou de droite voulaient se rencontrer pour éviter qu'on les voit ensemble discuter dans des restaurants, c'est chez Christine que ça se passait. J'appelais un traiteur, je faisais venir toujours le même qui savait fermer ça. Hein, et ces messieurs discutaient, je préparais tout, je m'en allais dans le café en bas avec les gardes du corps et les machins, et je remontais au café pour voir si ça s'était bien passé, les reconduire. Voilà, je me suis un peu éloignée pour vous expliquer pourquoi j'avais ce rendez-vous donc avec Alfred Sirvin, qui était le numéro 2 d'Alpha Aquitaine. Il m'appelle un jour parce que j'étais arrivée, j'avais rien qu'une valise, donc il fallait qu'on meuble un peu pour avoir au moins une table et des chaises et de la vaisselle. Donc il me dit « descends ». Et je descends, il est garé dans la rue Marbeuf et je m'approche de sa voiture, il était avec son chauffeur devant la rue où tous les gens passaient et il y avait le chausseur Berlotti qui a fait tant de bruit à l'époque parce que soi-disant, Elf avait payé des chaussures au ministre. C'est-à-dire qu'ils ont caché la corruption avec des godasses, c'est pas grave. Bon bref, et il me dit « bon, combien il te faut ?» Moi, j'ai dit, moi, j'en sais rien, donne-moi un peu pour aller au moins acheter des chaises, une table, j'avais rien. Moi, j'ai quitté un mari avec les poches vides. Il m'a dit, bon, ben attends. Et là, il ouvre son coffre, il y a les passants. Et là, je vois dans le coffre de la grosse limousine, je vois une couverture et il passe la main et j'aperçois sous la couverture une épaisseur énorme de billets de banque de 500 francs de l'époque. Le coffre était plein de billets. Mais je lui ai dit, mais Alfred, tu fais quoi avec ça? Et il me regarde, il avait l'accent comme ça, il me dit, je fais la tournée du laitier. C'est-à-dire que cet argent liquide, il allait le donner aux politiques. L'argent d'elle. Écoutez, on croirait l'histoire québécoise parce que je vais juste vous rappeler des choses à aux auditeurs québécois, puis ça va dire des choses aux Français aussi. Nous, on a un ancien ministre du Québec qui, pendant la commission Charbonneau, ça c'est la deuxième commission qui a eu lieu, elle a eu lieu au niveau québécois, puis on a essayé de faire la lumière sur le financement politique parce qu'on avait un gouvernement Jean Charest, un gouvernement libéral, qui avait ce système-là de commission. Et on avait découvert, entre autres, le maire de Montréal à l'époque, Gérald Tremblay, qui était semaine après semaine mis sur la sellette pour des scandales financiers de son administration municipale. Donc, ça a fait qu'ils n'ont pas eu le choix de faire une commission. Et c'est pour ça que... et c'est ça qu'on comprend, c'est qu'il y a toujours des porteurs de valises. Et le politicien peut toujours dire qu'il ne le savait pas. On garde le politicien dans le secret. Oui, oui, bien sûr. Et je vais même vous dire quelque chose. Un jour, je vais dans la tour Elf Aquitaine, à La Défense, à Paris, pour rencontrer mon patron, puisque c'était plus Alfred Sirvin que Loïc Lefleur-Prigent. Donc, je rentre dans son bureau et je vois Alfred, rouge comme ça, le cigare, deux cigares dans la bouche, qui s'énervait. Il me fait signe de m'asseoir. Il est avec trois téléphones. Et sur un des téléphones, j'entends une voix. C'est la voix d'une femme, ministre, qui lui rappelait qu'elle attendait l'argent pour s'acheter un penthouse dans Paris. Vous entendez ce que je vous dis? Ah oui, je connais le nom, je sais qui c'était, puisque j'ai reconnu sa voix. Ah oui. Oui, oui, parce que dans ce scandale-là des frégates à Taïwan, on parle de plusieurs millions de dollars là, qui ont disparu. Ils ont disparu.
Ah oui, ah oui, ah oui. Puis ici, Marc-Yvan Côté, le ministre québécois qu'on a passé à la commission Charbonneau, parce que là, vous me parliez des piles d'argent. Alors lui, on lui a demandé une question, parce que nous, c'est des dollars canadiens, puis c'était des, à l'époque, il y avait des 100 dollars. Puis on avait demandé à Marc-Yvan Côté, ça représente quoi environ 10 000 $ en argent cash en 100 $? Et là, il avait montré l'épaisseur exacte. Donc, lui, là, il a touché comme ministre à de l'argent cash. Et ça, on se fait souvent taper, hein, on se fait souvent faire la morale ici par les gouvernements que le travail au noir est méchant. Et eux, et c'est ce qu'on vous avez réalisé, vous, et que aujourd'hui, à travers tout ce scandale-là, là, on arrive dans les années 99 et là, vous commencez à faire paraître des livres. C'est là que je voulais faire le lien avec votre enfance puis toute la formation que vous avez eue. Je comprends toutes les qualités que vous aviez pour réussir ce que vous avez réussi par la suite. Parce que... bon, en fait, à l'école, j'étais première en français et on avait dit à mes parents, je devais avoir 15-16 ans, qu'un jour je serai écrivain. Donc, c'est vrai que l'écriture, mais elle m'a bien, ça, je peux vous dire ça que ça m'a bien servi parce que déjà, le premier livre qui a fait scandale, que j'ai sorti, qui s'appelait « La putain de la République », ce livre me colle à la peau, mais je m'en fous. Parce qu'en quatrième de couverture, j'ai expliqué que c'était la juge, Eva Joly, qui, sans me connaître, dans un dîner parisien, avait dit « je vais me payer la petite putain de la République » parce qu'elle avait visé Roland Dumas. Donc, c'est à travers moi qu'on allait attaquer le ministre. Donc, ce titre, quand je suis sortie de prison, la juge Eva Joly voulait me remettre en prison. Parce que vous savez, on peut faire 6 mois sur... Une accusation, mais on ne peut pas vous y mettre 2 fois. Donc, elle allait ouvrir le dossier des frégates, tiens donc, alors qu'elle ne voulait pas. Donc, elle était prête à ouvrir le dossier des frégates, elle le fait pour pouvoir me remettre en prison. Pour ne pas y retourner, il me faut 1 million de francs. À l'époque, j'avais poche vide. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais écrire un livre. Ça a été mon premier livre. Et j'appelle tous les, je l'écris. Et j'appelle tous les, heureusement que je savais écrire et que j'ai pu me débrouiller aussi avec ça. Donc, j'appelle tous les éditeurs de Paris. Mais tous! Et je leur dis, vous venez chez moi, vous lisez le livre, je ne veux pas que ça circule partout. Ils viennent, ils lisent le livre. Et je demande une proposition d'avaloir. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'on vous donne de l'argent avant assignation. Et Dieu sait que vous en aviez besoin, là, oui. Et Dieu sait, j'en avais besoin. Donc, je demande, il me fallait 1 million. Oui. C'est pas facile. Donc, ils se viennent tous, ils me font des propositions et je prends Calmon Lévy, qui est une grosse maison d'édition, qui me propose 600 000. Il me manque 400 000. Je suis allée à Paris Match voir le patron de l'époque et je lui ai demandé, avec une photo du ministre et moi, j'avais son autorisation, sur une plage, bon, bref, qui a fait la double page Paris Match, à force de négocier, il m'a donné les 400 000. J'ai donné ce million au juge Eva Joly pour pas retourner en prison. Là, j'ai tué mes enfants, j'ai tué ma mère là, tout de suite. Donc, ce livre, les éditeurs, j'avais comme titre « Les putains de la République » ou « Putain de République ». Ils m'ont dit « Si vous mettez pas la putain de la République, vous n'avez pas l'argent ». Ah ouais, vous voyez pourquoi j'ai mis la pour avoir mon argent. Ah oui. Et depuis, en France, ben, tout le monde dit que je suis une putain. Qui parle un peu moins là aujourd'hui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je crois que les gens ont commencé à comprendre ce qu'il y a derrière. Et ce n'est pas propre, croyez-moi. C'est vraiment pas propre. Effectivement, là, à partir de 89, il y a l'autre livre aussi, parce que vous avez effectivement, grâce à votre écriture, là, rayonné malgré toutes les épreuves. Alors, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelait Relations publiques. Alors, ce deuxième livre, je l'ai fait sous forme de fiction parce que je commençais à me jeter dans le combat. Je voulais me battre. J'avais décidé de me battre. Donc, je sors ce premier livre qui est une fiction qui raconte exactement ce que j'ai vécu. Et là, contrat sur ma vie à la sortie du livre.
C'était pas pour me tuer, mais paralyser les jambes. Mais c'était un avertissement. On a réussi à le déjouer. J'ai eu des anciens des services et des parachutistes que je remercie toujours quand je fais des émissions, parce que si je suis en vie, je leur dois, qui m'ont protégée. Sinon, je serais morte comme les 20 morts derrière moi. OK? Madame de Vieux de Joncourt, effectivement, je veux qu'on mette l'accent là-dessus. Vous avez eu l'aide d'un militaire à la retraite, je crois, qui alors, vous devait beaucoup. Oui. Hein? Alors, on finit les livres et on répond à votre question. Okay, donc, il y a eu ce livre qui a déclenché tout. Et là, je me suis lancée dans la bagarre. Là, j'ai dit, maintenant, on va y aller. J'ai sorti un troisième livre qui s'appelait Opération Bravo, qui était le nom du contrat avec les frégates de Taïwan. Ça s'appelait l'opération Bravo. Donc là, j'ai écrit un livre très technique sur le marché d'armement en France et comment ça s'était passé. Mais là, ça a fait du bruit, je peux vous le dire. Et ensuite, alors j'ai écrit des livres pour pouvoir bouffer, pour pouvoir faire manger mes enfants et payer mon petit loyer. Donc là, c'était des livres un petit peu plus gentillés. Et puis, j'ai écrit là, il y en a eu deux. Et après, j'ai écrit un livre qu'on trouve toujours. Sur toute mon histoire, mais qui a été pilonné. Je ne sais pas, on le trouve encore sur Amazon, mais c'est difficile. Et là, c'est différent. Là, il y en a quatre qui viennent de sortir. Et ça, c'est différent, on en parlera après. Alors, pour revenir à votre question. Alors, un jour, je suis toute seule. J'ai épuisé 7 avocats qui, à chaque fois, je faisais confiance, qui finissaient de me prendre mes petites économies, à la fin, je ne pouvais même plus les payer, et qui étaient tous francs-maçons. Ah oui, on va en parler de ça. Et qui défendaient les politiques. Donc, j'étais foutue. Donc, au bout de 2 ou 3 rendez-vous, j'avais compris que je tombais dans la gueule du loup. Donc, j'en ai épuisé 7, jusqu'au jour où j'ai enfin trouvé une avocate à Marseille qui m'a dit « Je ne vous trahirai pas », mais j'ai dit « je ne peux pas vous payer », ils m'ont tout pris, elle m'a dit « je ne vous demande rien, mais je ne vous trahirai pas », et c'est elle qui m'a défendue. Bon, bref, une femme. Vous savez, les femmes sont souvent plus courageuses que les hommes. Bon, bref. Donc, un jour, je suis seule. Je viens de débarquer le dernier avocat, pourri jusqu'à la moelle de l'os, et là, la juge Eva Jolie me dit « vous ne pouvez pas rester sans avocat, je n'ai pas le droit, selon la Constitution, la législation, il faut un avocat ». Donc là, je trouve cette jeune femme et on se débrouille. Et là, juste dans l'entretemps où je suis seule avec mes enfants, mes deux maris ne me regardent pas, ne me donnent même pas 10 balles, je paie les études de mon deuxième à la faculté d'Assas, de droit, j'écris mes livres pour pouvoir continuer à bouffer, payer mon loyer, croyez-moi que c'est dur, et je me bats 12 heures par jour à remonter la presse pour leur expliquer ce qui m'arrive et leur expliquer ce qu'est la France et comment ça fonctionne. Et je ne fais que ça. À la fin, bon, vous allez voir. Et là, quelqu'un m'appelle qui m'aide bien et qui me dit, écoute, il y a un général à la retraite qui veut bien t'aider, qui voudrait te voir. Et on fait un dîner, il s'agit du général Osarès. Alors, qui est le général Osarès? Il avait quoi, 83, 84 ans à l'époque. Ce général Osarès, c'est lui qui a créé le service Action en France. Voilà, dans les services secrets, vous avez un service Action et qui est là pour le pire. Il me parlait toujours de 100 mètres carrés de farce et attrape. Les farces et attrape, c'est pour tuer sans trace. C'est ça le service Action. Ok. Donc cet homme vient me voir et il me dit « Mon Dieu, vous êtes bien seul, on va vous aider. » Et cet homme a fait ma sécurité. Il m'a livré un gilet pare-balles, je ne savais même pas ce que c'était, donc pour me protéger. Il m'a donné des consignes, il m'a dit « Si vous gardez votre voiture, il va falloir que vous mettiez une couverture sur le siège, votre gilet pare-balles. » J'ai dit « couverture sur le siège, pourquoi faire ?» Il me dit « parce que on peut rentrer dans votre voiture, facile d'ouvrir, vous êtes au 3e sous-sol, parking public, donc on peut déverser des produits sur le siège de votre voiture qui vous donnent des cancers fulgurants, dans la semaine vous êtes tué. Donc vous mettez la couverture, j'avais dans le coffre ma couverture, j'avais le gilet pare-balles, je mettais la ceinture, gilet pare-balles 15 kilos, et je disais à mes enfants « vous restez dehors, c'est pas la peine de crever tous ». Je mettais la clé de contact, je faisais le signe de la croix,
pourvu que ça ne sorte pas, ils pouvaient trafiquer le moteur. Et j'ai vécu comme ça pendant 5 ans. On vous a fait vendre votre voiture aussi. Vous avez fait du... Alors, à la fin, le général de Sarès m'a dit, il faut arrêter la voiture, vous prenez un vélo. Donc, j'allais à tous mes rendez-vous à vélo. Mais je faisais que ça, par exemple. J'avais quelques télés qui n'étaient pas trop mainstream, qui acceptaient de me voir et je les appelais au moment du direct des infos à 13h et je leur disais est-ce que je peux descendre parce que j'avais des infos qu'on me donnait sur des corrompus ou sur des machinations, des machins. Et à chaque fois, ils me disaient, oh là là, tu nous enquiquines, mais je prenais mon vélo, je descendais dans le sud de Paris, je fonçais dans le studio, j'attendais qu'on m'appelle en direct et je faisais ça tous les jours, tous les jours. Tous les jours, plus écrire mes livres, plus j'étais vêtue de noir, je m'habillais plus, je m'en regardais dans la glace. Le matin, j'étais dédoublée. Il y avait la Christine d'autrefois qui a été plutôt timide et d'un seul coup en face, j'avais une guerrière et une panthère déchaînée quoi. C'était même plus moi, j'étais dédoublée. Ah oui. Je vous jure, j'étais dédoublée. C'était plus moi. Et ce général Sarès est allé, il était un peu bizarre parce que il voulait tuer ma juge. Alors, il est mort, paix à son âme. Je lui disais, écoutez, général, allez pas tuer ma juge, moi, ça va me retomber dessus. Aidez-moi autrement, mais pas en tuant ma juge. Alors, il m'a inscrit dans des clubs de tir, je m'entraînais avec les parachutistes et on a fait des photos pour Paris Match, pour qu'on voit que j'étais protégée. En train de tirer, que j'étais protégée. Il est allé voir le commissaire, le commissariat de mon quartier, dans le nord de Paris. Il est allé voir le chef, le patron du commissariat. Il lui a dit, s'il arrive une tuile à cette femme, ben, il lui parlait comme ça. Alors, effectivement, j'étais surveillée nuit et jour, mon immeuble. Mais il y a eu des gens qui s'étaient placés dans une immeuble en face pour me tirer dessus. Donc, ils ont réussi à... Non, non, j'ai pris des risques énormes en me battant contre eux. Mais énormes, vous imaginez pas. Et un jour, on m'a envoyé un ami de longue date que j'avais pas revu et qui m'a appelé de Marseille en me disant « Je monte exprès pour te voir, j'ai un message. Cet homme est venu. » Et je lui ai dit, mais c'est quoi, bonjour, on ne s'était pas revus, on avait tous élevé nos enfants en couple ensemble. Et qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, écoute, j'ai un message à te passer, mais j'oserais que tu saches que les paroles que tu vas entendre, ce n'est pas les miennes. Bon, écoute. Et il était gêné. Bon, je lui ai dit, accouche, vas-y, c'est quoi? Eh bien, voilà. Et il était franc-maçon. Et le message, c'était Christine de Viergencourt, vous n'avez rien compris au film et vous allez le payer très cher. On vous avait fait comprendre qu'il fallait vous taire. Et je me suis battue, Clara. Je me suis battue jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Wow. Jusqu'au bout. Et je me bats encore. Pour d'autres raisons, mais je me bats encore. J'ai ça dans la peau maintenant. Je suis une guerrière. Et là, ils m'ont appris à être une guerrière. Parce que je crois que j'ai aimé aussi me battre. C'était une autre partie de moi que j'ai découverte. Je ne savais pas que j'étais comme ça. Ah oui, donc maintenant je me bats pour d'autres choses, voilà. Je me suis battue contre le Covid, je me bats pour la guerre en Ukraine, je me bats pour tout quoi. Et on découvre aussi à travers cette histoire-là tout l'amour que vous avez porté pour Roland Dumas ou. C'est là que j'ai trouvé quand même, quand on comprend tout votre amour éternel que vous portez aux gens, à vos proches, c'est ce que j'ai pu découvrir hier là, en coulisses avec vous. Comment vous vivez aujourd'hui? Vous m'avez confié que vous n'avez jamais aimé un autre homme plus que lui. Puis on le sent à travers tout ça, toute la peine que ça a pu vous faire, parce qu'il a fait un livre par la suite pour vous dire que vous étiez une femme comme les autres.
Et ça, pour moi, ça a vraiment... Quand on se met dans votre peau, juste un... Et comment vous avez fait ça avec votre cœur? Comment on réussit à passer par-dessus? Puis tous les secrets que vous gardez encore aujourd'hui, ça fait toute votre grandeur. Alors, j'ai commis effectivement dans toute cette affaire une lourde faute. C'est de tomber amoureuse. Voilà. Il aurait fallu que j'en reste à mon travail elf, le ministère des Affaires étrangères, mais que ça déborde pas. Je suis tombée amoureuse de cet homme et je crois qu'il est tombé amoureux de moi aussi puisque ça a duré 10 ans. On n'en vivait pas ensemble, bien sûr. Il était marié, il vivait avec une maîtresse qui était malade, donc il a eu des enfants. Mais cet homme était brillant, mais brillantissime. Et c'est vrai que quand on a côtoyé pendant 10 ans un homme comme ça, c'est difficile après de je suis seule et je resterai seule jusqu'à ma mort. Il n'y a personne qui peut l'égaler. Mais c'était, et je m'en suis aperçue après, c'était le bon Dieu pour moi, mais c'était aussi le diable. Et je me souviens qu'un jour, on était dans un train. Je me souviens, au tout début, je le connaissais. Je le regarde et je lui dis, c'est marrant, mais vous avez... Il venait juste d'avoir une grimace. Je dis, vous ressemblez au diable. Et il s'est un peu raidi et il a dit, qu'est-ce que vous avez contre le diable? Et il me regardait droit dans les yeux. Je dis, quelle question! Il m'a dit, le diable est un ange déchu, sachez-le, ma chère. Et j'ai découvert, en sortant de prison, que cet homme qui a vécu dans ma famille, qui a vécu, était tout le temps avec moi, on a fait tous les opéras du monde, à chaque fois qu'il partait quelque part, ça arrangeait bien Elf, bien sûr. Et moi, ça m'arrangeait moi, parce que j'étais amoureuse. C'était à la fois mon travail, et à la fois ma vie, quoi. Voilà, cet homme, c'était ma vie, toute ma vie. Et c'est pour ça que j'ai tant rendu de... Vous savez, quand je suis sortie de prison, il a dit à la presse, cette femme, c'est une femme comme tant d'autres, je la connais à peine. On a vécu pratiquement 10 ans ensemble dans les voyages, dans les machins. J'étais partout pour Elf, mais j'y étais aussi pour lui et puis pour mon travail. Voilà. Il ne partait jamais chez lui le soir sans passer à la maison, avoir son infusion et parler. Et puis les opéras, on courait les opéras ensemble parce que c'est un fanatique d'opéra. C'était sa deuxième famille. Il était ténor d'opéra. S'il n'avait pas été ténor du barreau, il avait une voix magnifique. Il connaissait tous les opéras du monde. On faisait des dîners avec Placido Domingo, avec Mirella Freni, avec Roberto Alagna, avec j'ai vécu la musique, la peinture, puisqu'il avait été l'avocat de Picasso, de Masson, des plus grands. Quoi. Ouais. Ben, c'est ce qu'on comprend à travers votre enfance, votre formation avec votre père, votre mère, ce monsieur-là vous a fait... Vous a fait vibrer, on le sent, on peut pas. Oui, exactement. Ce que j'ai apprécié chez cet homme, c'est tout. C'était sur l'histoire, sur la littérature, sur la peinture, j'ai fait tous les opéras du monde avec lui. Je veux dire, c'était pas que la politique. Moi, la politique, j'étais obligée de la vivre à travers Elf, mais c'était tout l'autre côté que j'avais avec cet homme. Et puis je travaillais avec elle, donc il fallait que je sois avec lui. Donc puis un jour j'en ai eu assez parce qu'il était. C'est vrai qu'une femme, elle aime bien avoir un homme à soi. Ben je lui ai demandé et là il s'est un peu esbigné, comme on dit. Oui. Et j'allais moins au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. Et là, Elf m'est tombée dessus en disant « si tu fais pas ton boulot, on te vire ». Mais moi, j'avais mes enfants à élever, il fallait que je supporte l'homme tel qu'il était. Donc, en mettant une croix sur autre chose, il fallait le prendre comme il était.
de passage. Ah, puis c'est moi, quand j'ai écouté les entrevues pour préparer la mienne, sur Thierry Ardisson, quand on vous mettait dans des histoires de mœurs avec lui, vous, là, vous viviez ça personnel et oui, mais en fermant le son, je regardais juste votre prestance, comment face à l'adversité, vous avez fait preuve de courage. On peut vous reprocher bien des choses dans ce dossier-là, mais on peut pas nier votre droiture et l'amour que vous portiez pour cet homme-là qui vous a qui on voit que on comprend tout ce que vous me dites en ce moment. C'est l'amour éternel que En prison, on attendait le magistrat. Je sortais de prison, si j'avais dit. Quand on m'a incarcéré, la veille de mon incarcération, le patron de la brigade financière qui m'a amené au palais de justice voir la juge Eva Joly m'a glissé à l'oreille « Si vous donnez des noms, vous rentrez dormir chez vous ce soir avec vos enfants. » Et j'ai pas donné de nom, quel qu'il soit. Mais j'aurais donné aucun nom, et surtout d'un homme, quand vous êtes amoureuse, eh ben vous faites 6 mois de prison, vous donnez rien. Et il y avait Héry Routier, qui était journaliste au Nouvel Obs, qui avait fait un article. Il avait dit que je m'étais conduite comme un caïd des films noirs américains en fermant ma gueule. Wow. Mais je peux vous dire que ça a été dur, 6 mois en prison, parce que j'étais pas... C'était dur. Vous savez, on extrait les gens une fois par mois pour aller au palais de justice, parce que c'est loin de Paris, la prison. Dans des gares, c'était en hiver... gelé, il y a les fouilles à corps avant de partir, des heures à attendre. J'arrivais à Paris, je regardais à travers les fenêtres, les arbres, pour voir dans quelle rue on était, parce que je connais Paris par cœur. Et puis j'étais mise dans la souricière, c'est les bas-fonds du palais de justice de Paris, avec un banc en béton comme ça, on ne pouvait pas s'allonger, on ne pouvait juste s'asseoir, rien à manger de toute la journée. Un trou pour vous faire pipi, et puis c'est tout, et puis on mangeait pas, et à chaque fois le juge me faisait rentrer menottée, alors que c'est interdit pour les femmes dans le palais de justice. Moi, elle me menottait pour bien me, et puis quand je rentrais dans ce bureau, je lui disais ouvrez le dossier des frégates et trouverez tout le monde. Et là, elle grimpait sur son bureau en hurlant, elle devenait folle, remettez-la en prison, voilà. Et ça a été comme ça pendant 6 mois et d'extraction tous les jours. J'avais perdu 18 kilos en 3 semaines. C'est horrible, mais j'ai tenu bon. Et puis c'est une belle expérience, je peux vous dire, parce que j'ai vu aussi ce que c'est les prisons françaises. Je voulais écrire un livre, mais j'ai pas eu le courage parce que ça me remet là-dedans et j'ai commencé, j'ai pas fini, j'y arrive pas. Mais je voulais le faire, ne serait-ce que pour mes consoeurs qui sont encore là-bas. Ah oui. Ah oui, puis j'apprenais à travers vos entrevues aussi que vous n'avez pas arrêté. Vous êtes trouvé un travail tout de suite en dedans pour comme rester connecté. Vous avez, c'est ce que. Vous êtes-vous permis un temps d'arrêt dans votre vie? Non. Non, parce que il a fallu que je me batte, parce que vous savez, j'avais rendu cet argent, mais ils ont dit que j'avais rendu à justice, mais pas au fisc, dont le fisc est devenu, je vous l'ai dit tout à l'heure, me réclamer la même somme que j'ai rendue, augmentée de 10 ans d'intérêt. Donc, je devais 11 millions d'euros, mais j'avais même pas 10 balles dans la poche. C'est ma mère qui me nourrissait dans cette maison que vous voyez. Donc, j'avais vraiment plus rien. Donc, il a fallu que je me suis mise à écrire, je me suis mise à faire des choses, j'avais pas le choix, il fallait, donc l'écriture est devenue, et c'est là que je m'épanouis, et c'est là que j'écris des choses qui ne sont pas forcément maintenant sur l'affaire, mais à chaque fois, par exemple, quand on devait me prendre ma maison, j'avais mis des chaînes au portail, je savais que j'allais la perdre parce qu'il y avait un procès que j'allais perdre, j'avais mis les chaînes au portail, c'était l'horreur, et là, mon fils à Paris, le plus jeune, m'a envoyé une palette graphique, m'a dit, maman, et je tombe, travaille, tu vas devenir folle. Là, j'aurais pu me suicider parce que l'on me prenait la maison, ce qu'il y a dedans, je me retrouvais avec mon sac à dos. J'avais quand même 55 ans, c'est lourd quand même avec tout ce que je venais de vivre. Dans 56 ans,
58, je ne sais plus. Bon, bref. Donc, j'ai commencé à faire des dessins, parce que je tiens ça de mon père, sur cette palette graphique. Et puis, je n'avais jamais inventé d'histoire à mes enfants, à mes deux garçons. Et j'en ai inventé une. Et les dessins poussaient l'écriture, l'écriture poussait le dessin. Et j'ai écrit 4 tomes, c'est énorme, il y a 400 pages, illustré de près de 40 illustrations. Ça s'appelle L'Orguin, le jeune alchimiste. Et j'espère un jour pouvoir le vendre, même à Québec. Ah oui, hein? Là, il y en a un autre qui, soi-disant, devrait sortir à Québec, puisque mon éditeur, qui n'est pas français, il est tunisien, parce qu'en français, on ne veut plus de Christine. Donc, il est tunisien et il publie beaucoup de complotistes. Et je le salue en passant. Et il est allé à une foire du livre international, puisqu'à Paris, M. Macron a tout cassé. Et là, il paraît qu'il a rencontré un éditeur québécois qui sera intéressé par ce livre qui s'appelle In Silico, la cité des abysses. Oui. On mettra la couve. Et qu'il avait l'intention de le faire traduire en anglais aussi et de peut-être envisager un film. Alors là, ça arrive, ça serait. En parlant de film. Sachez une chose incroyable, dans Paris, il y a eu 4 projets de films sur mon histoire. J'avais même rencontré le patron au Festival du film de Deauville, film américain. J'étais allée exprès là-bas pour voir le patron des Oscars, pour lui demander s'il ne pouvait pas m'aider à faire un film sur mon histoire. Ça m'aurait fait rentrer 3 sous pour bouffer. Et le type, il s'est levé gentiment, il m'a dit « Madame, c'est vous, Christine Vieux-Joncourt ?» J'ai dit oui. Il m'a dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. En Amérique, une histoire comme la vôtre, on a déjà 5 films. En France, vous en aurez 0. Il y en a 4 qui ont essayé, tous capotés. On leur coupe le dernier en date avec Arcadie. Il n'a pas pu, il ne trouve pas les fonds. Parlons de ce livre-là, parce que c'est là que j'ai découvert, là, dans votre entrevue à TV Liberté, que j'ai invité mes auditeurs à aller voir, où vous parlez de ce livre qui était annonciateur. Parlez-nous un peu de l'histoire que vous avez développée, quand vous avez écrit ça, et alors, ça va revenir à l'actualité là, que je veux vous... Vous parlez de In Silico, la cité des abysses. C'est un truc de fou. J'écris ça en 2012. En 2012, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai écrit ce truc. C'est une fiction, mais c'est ce qu'on vit depuis 2019. Et un des faits. Mais, alors on m'a dit, oh là là, elle copie Orwell. J'avais jamais lu Orwell, j'avais vu que le film. Bon, j'ai comblé la lacune, mais bon. Mais c'est vrai que c'est l'histoire d'une femme qui vit dans une ville épouvantable, tel que nous vivons, nous, ici en France, hein, je ne vous cache pas, on y va droit, hein, on y est déjà presque. Okay. Et cette femme, pour s'en sortir, elle rencontre un homme très bizarre qui l'emmène dans un autre monde, au pays des rêves. Je l'ai expérimenté sur Internet, je l'ai fait. Je pense que c'est cette expérience qui m'a inspiré ce livre. Je l'ai fait, et il y avait un endroit d'ailleurs qui s'appelait In Silico, donc j'ai repris, qui veut dire, c'est un mot d'informatique. Et ça m'a donné envie, parce que j'y ai vécu le rêve et l'enfer. Et donc ça m'a donné envie d'écrire ce livre. Mais elle, l'héroïne, elle y va vraiment. Elle y va physiquement dans ce pays des rêves. Or, Gérard de Nerval, qui est un très grand poète français, a dit, je n'ai jamais percé cette porte d'ivoire qui nous sépare de l'invisible, le rêve. Et souvent, il dit, le rêve devient réalité. Et c'est là-dessus que j'ai bâti mon livre. Et c'est vrai qu'il y a les deux. Il y a ces pays où nous devrions, Carl, nous devrions vivre et être heureux. Ceux-là, ils y sont. Qu'on peut retrouver dans nos rêves. Moi, en prison, je rêvais. Je rêvais beaucoup, sinon j'aurais pas tenu le coup. Et il y a In Silico où elle redescend parce qu'elle est obligée d'y retourner dans son truc parce que là, c'est éphémère, on peut pas y rester. Elle est obligée de redescendre dans l'enfer. Et c'est exactement, mais ça donne une force. Et à la fin du livre, c'est ce qui va nous arriver.
Ah oui, hein? Et c'est positif. Il y a derrière ça la recherche du bonheur, puis en tout cas dans ma quête spirituelle aussi, appelez ça comme vous voulez, on dit que quand on commence à croire que le bonheur, c'est pas un idéal, mais on doit accepter d'osciller entre le bonheur et le malheur. Excusez si je m'exprime mal, je sais que vous allez le faire mieux que moi, c'est ce que je sens chez vous. Mais vous savez, dans ces temps qui courent, où c'est très très dur, il faut qu'on trouve des portes de sortie parce que sinon on va tous. Il faut être fort parce qu'on va passer des moments terribles. On n'a pas commencé, c'est oui. Juste le début. Parce que on va pas parler de géopolitique. C'est peut-être pas le moment. J'ai peut-être pas envie non plus. Les gens sont un peu sursaturés. Sachant que ce que nous avons en face, c'est une bête fauve qui est en train de mourir. Et une bête fauve, quand vous la condamnez à mort, elle ne meurt pas sans faire des dégâts. Donc il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher au bastingage parce que ça risque secouer très fort. Et il faut être très fort. Mais il faut savoir qu'il y a deux apocalypses. Il y a la première, qui est l'apocalypse d'un monde qui est en train de se défaire à cause de l'hubris. Vous savez ce que c'est l'hubris? Des gens qui se deviennent fous, ok? L'hubris, c'est quand ils ont la tête qui est en train d'exploser. Ce monde est en train de mourir. Et puis, il y a l'autre apocalypse. Et cet apocalypse-là, c'est le nouveau, le renouveau. Le premier, c'est ce qui est révélé. Et le deuxième, c'est ce qui va se bâtir. Et on est encore dans le premier, mais on va passer dans le deuxième. Et on rebâtira. Je ne sais pas le temps que ça prendra, mais on rebâtira, mais c'est bien parti. Et tout ça basé sur la foi. Et tout ça basé sur la foi, exactement. Ce qui me désole, vous n'avez peut-être pas ça, vous, au Québec, mais nous, en France, quand la cathédrale Notre-Dame a été brûlée, nous avions notre président et son premier ministre qui mouraient de rire en regardant brûler la cathédrale. Ils étaient pliés de rire. Et depuis, nous avons plein d'églises qui sont pillées, brûlées, démolies. Alors que la France, c'est le berceau de la chrétienté. Je ne parle pas du catholicisme, parce que le Vatican s'est détourné de ce qui devrait être. Et que ça me fait honte. Donc, je parlerai simplement de chrétienté. OK? Oui. Et Saint-Louis, sous son arbre, il est bien loin, il doit se retourner dans sa tombe quand on voit où on en est aujourd'hui, avec les LGBT, les transgenres. On est en train de faire tout ça, et puis on détruit la religion. Moi, j'ai vu des églises en France où on nous fait des défilés de mode, et où avec les transgenres en porte-jartel, je suis désolée, on est foutu là, il va falloir faire un grand coup de balai. Mais là, en ce moment, en France, c'est terrible. Nous, c'est terrible. On touche le fond. On va parler, pour terminer, si vous le voulez bien, ça fait suite, sans parler de géopolitique, plusieurs ont parlé que c'était pas juste au niveau militaire en Ukraine, que ça allait être le basculement du monde et que entre autres, M. Indy avait dit que ça allait être une guerre civilisationnelle. Youssef Indy est une très, très bonne, très bonne analyse. Il est dans la même maison d'édition que moi en Tunisie. Ah oui, puis... Les complotistes sont là-bas. Oui. Vous savez, moi, je me suis beaucoup intéressée au Donbass en 2014. Je crois que je vous en avais parlé un peu. Mais je peux vous le redire. J'étais à l'époque sur Facebook, mais on m'a viré 7 fois maintenant, j'y suis plus. Mais j'avais rencontré des gens qui avaient créé l'association France Donbass à Paris. Donc, je me suis mise à parler avec eux et puis je voyais bien quand même ce qui se passait là-bas. Et là, je suis rentrée carrément dedans. Je devais partir, je voulais partir à Donetsk. Je devais être accompagnée par
sur Bodan Despot, mais qui n'a pas pu y aller. Donc, partir seule, ben, j'ai pas osé. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. À un moment donné, on essayait de récolter de l'argent pour aider les gens du Donbass qui étaient pilonnés, Donetsk, pilonnés, des enfants morts, 14 000 morts. En France, personne ne bougeait. C'était une horreur. Donc, on a fait une réunion à Genève où, moi, n'ayant pas de sous, mais c'est vrai que là, je suis tellement laminée que ce n'était pas évident. Donc, je n'ai pas pu donner d'argent, mais par contre, j'ai fait des illustrations, des grands tableaux comme ça, énormes, qui sont sur mon site web. Si vous pouvez le mettre, le site web, on le voit sur Donbass, sur le clic Donbass. Et j'ai fait plein de trucs qu'on a vendus aux enchères et ça a payé des toits. Ils n'avaient même plus de toits pour s'abriter. Donc, c'est vrai que je me suis beaucoup impliquée. J'avais un ami, dont je ne dirai pas le nom ici, Thierry Mariani. Ah ben ça y est, c'est dit, mais c'est pas grave. Thierry Mariani, qui est député, qui était toujours d'ailleurs député en France, et qui faisait lui essayer de bouger les choses. Il est très, il aime beaucoup la Russie, les mariennes russes. Donc, je l'avais appelé, j'ai dit, mais essayez de vous déplacer. Il y avait d'autres députés qui bougeaient beaucoup avec lui. Il m'a dit, mais on peut pas. On ne peut pas. Il m'a dit, mais je vais être virée de partout. Même mon parcours politique est foutu si je vais au Donbass. On ne peut pas. Donc, je me souviens qu'à l'époque, tous qui travaillions pour le Donbass, on disait, mais bon Dieu, quand est-ce que Poutine va venir les libérer? Ce sont des Russes qui parlent russe, qui se font tuer parce qu'ils parlent le russe. Enfin, on est chez les fous, des gosses tués dans les cours d'école. Et la France, rien ne se passe. L'Europe ne bouge pas. C'est à nos côtés. On savait que la Russie, Poutine envoyait des médicaments par Rostov. On savait qu'il y a un petit peu des médicaments, de la nourriture. Peut-être des armes, ça j'en sais rien, je m'avance, mais j'en sais rien. Mais bon, ils étaient soutenus, mais il fallait faire quelque chose, c'était ça. Et on comprenait pas, on s'énervait. Moi, ça m'énervait beaucoup. Je disais, mais qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que Poutine attend pour y aller? Arrêter ce massacre! Et puis, on a compris, en 2022, pourquoi il y est allé. Il lui a fallu 7 ans pour l'armement, s'équiper à mort, et pour préparer les sanctions. Il le savait, tout ce qu'il allait vivre. Donc, il lui fallait ces 7 années. On a compris après pourquoi ça prenait du temps. Voilà. Ah oui, ah oui. Donc là maintenant, j'ai honte de donner aux médias mainstream qui ne cessent de vomir sur la Russie. Là, vous voyez, j'ai ma petite belle-fille russe qu'on n'a pas vue depuis 2 ans à cause du Covid, qui vient d'arriver. Elle a fait un voyage d'enfer en passant par la Finlande, avec 9 heures d'attente dans l'aéroport, les bus, les machins. On ne se voyait plus, son mari vit ici avec moi, donc je me dis que tout ça, il va falloir que ça s'arrête, c'est pas possible. Et elle me disait, mais on nous déteste, j'ai honte, je suis russe. Là, on vient d'une petite épicerie dans le village, l'épicier l'embrasse, il lui dit, vous êtes russe, on vous embrasse, elle en pleurait. Tant, c'est grave quand même. Ben oui. On détruit la littérature russe, on supprime les chanteurs ou les musiciens russes, les sportifs russes. Mais attends, mais on est où là? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est devenu? L'Europe? Moi, je parle surtout de la France parce que je crois que la France est pire encore que les autres pays d'Europe. Pire. Pire. Là, Monsieur Macron, il ne sait plus où il est. Hein. Incompréhension totale, je ne comprends pas. Comment on peut aller si loin? Puis comme battante, là, vous n'en ratez pas une. Juste 2 petits mots sur la crise covidienne, parce que j'ai appris hier que vous aviez mené un combat aussi. Vous n'en ratez pas une. Vous n'en ratez pas un combat, excusez. Non, j'ai beaucoup, ouais. J'ai beaucoup fait de... sur le COVID, j'ai des amis qui sont sur une télé qui s'appelle ADP, TV ADP, qui font un boulot immense. Et celui qui conduit, Eric Montana, qui conduit qui a créé cette télé, et là, il reçoit tout le monde.
je crois que même... Oui, il nous reçoit aussi, Eric Montanaro. Vous avez été invité aussi. Bien sûr, il travaille très fort. Il fait un boulot énorme, mais avant d'être sur TVADP, il était sur un truc qui s'appelait Mediazone, et on s'est contacté sur VK, qui est le Facebook russe. Un autre endroit où on peut vous rejoindre, hein, sur VK? Je suis sur VK, oui. Aussi. Je crève les écrans, je ne sais même plus combien j'ai d'abonnés, tellement il y en a. Et il m'avait demandé si je voulais faire des interventions. Donc, j'ai repris ma plume. Il m'a remis le pied à l'étrier parce que c'est vrai que je suis isolée et en France, je ne fréquente plus beaucoup de personnes. Donc, ça m'ouvre des portes. Lui a eu confiance en moi. Il m'a donné... la possibilité, et là j'ai commencé à écrire des trucs qui sont partis même jusqu'au Canada, qui sont partis de partout en Europe, et là où je cogne à mort. J'ai commencé comme ça, hein. Oui. Mais ça cogne à mort, il y en a qui sont redoutables. Quelquefois je les remets sur Telegram, c'est bien, je les remets. J'ai fait des posts qui sont assez redoutables, ouais. On va les mettre en lien avec la vidéo. Je ne sais pas si on les retrouve parce que sur Mediazone, je crois que c'est plutôt moins fermé maintenant. Donc, je ne sais pas, il faudrait demander à TVADP si Eric Montana en a conservé. Moi, j'en ai, mais comment les diffuser? Je les diffuse de temps en temps sur Telegram, j'en mets. Bon, je monte à 5 000, 6 000, 7 000 vues. Donc, je vais en remettre. Bon, je vais en remettre, comme ça, vous verrez ce que j'ai fait. D'accord? Oui, si Madame Devier-Jeancourt, on a, par surprise, là, le capitaine qui vient de s'ajouter. Donc, on va terminer, si vous le voulez bien, avec le capitaine Pierre Place. Capitaine, bonjour. Bonjour. Bonjour, capitaine. Oui, bonjour. Bonjour à nos auditeurs. Je suis désolé, j'ai un petit peu des problèmes de connexion. Donc, on va essayer de faire vite. Voilà. J'ai pas pu vous suivre, hein. J'ai pas pu parce que j'étais pas connecté. Voilà. Mais, capitaine, vous êtes à l'origine de la venue de Mme Devier-Jeancourt et parlez-nous au moins, même si vous n'avez pas vu l'entrevue, là, de qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans ce qu'on vit actuellement? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter comme éclairage? Je pense qu'on peut, pour résumer très rapidement, hein, parce que je ne sais pas combien de temps je vais garder la connexion, pour résumer très rapidement, je pense que Mme Devier-Jeancourt a d'abord, avant tout, été une victime du système, parce que c'est clair pour tout le monde. Elle a été victime du système. Je pense que c'est une personne qui était profondément honnête au départ et qui a agi, elle me corrigera si je me trompe, selon ses sentiments, c'est-à-dire que selon son cœur. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Et que elle était d'autant plus facile à trahir. Et donc, on voit bien que les personnes qui étaient autour d'elle étaient des personnes importantes qui n'ont pas eu à subir, pour certaines d'entre elles, les ennuis qu'elle a eus. Donc, à mon avis, elle a servi, sinon de bouc émissaire, elle a servi de fusible au minimum, hein. Elle me corrigera si je me trompe, mais moi c'est ce que je retire de ce que j'ai pu voir de son parcours. Alors je comprends que du coup sa révolte est légitime parce que évidemment quand on va en prison à la place des autres c'est pas acceptable. Donc sa révolte est légitime et donc instruite par cette dure expérience, hein, elle s'est dotée des moyens de comprendre le monde dans lequel elle vit. Et donc, elle est, à mon avis, une auxiliaire précieuse pour la résistance, pour la dissidence, parce que, elle a su, d'abord, elle est devenue plus prudente et donc elle sait choisir les gens avec qui elle communique. Et donc, je pense, elle pourra me corriger si je me trompe. Et donc, moi, ce que je constate en regardant ce qu'elle fait sur Telegram, notamment, c'est que elle cible très bien. Hein, à la fois les problèmes et les gens avec qui elle communique. Et le résultat me paraît tout à fait fructueux, enfin satisfaisant. Hein. C'est-à-dire que voilà, elle atteint ses cibles, je pense. Je me trompe?
Non, vous ne vous trompez pas. Voilà, donc voilà. Alors, en fait, j'étais dans le... J'étais un fusible, bien sûr. J'étais un bouc émissaire. Et le fait d'avoir vécu pendant près de 10 ans dans le ventre de la bête, effectivement, j'en sais tellement. J'en ai vu tellement. Que vous comprenez aussi pourquoi je combats. Quand vous arrivez à saturation de corruption, de pourriture, de mensonge, vous comprenez comment ça anime et comment vous avez envie de prendre les âmes de quelque façon que ce soit l'écriture, que ce soit ce que je fais là avec vous ou avec d'autres. J'ai besoin de ça parce que sinon j'implose. J'ai besoin de tenir l'épée sans arrêt. Ouais. Sans arrêt, quitte à mourir. Non, j'ai failli mourir plusieurs fois, donc j'ai pas peur de mourir. J'ai apprivoisé la mort. Donc je m'en fous. Même si on doit me percer, j'en ai rien à foutre. Mais je ne m'arrêterai pas, c'est clair. Capitaine, et encore, je me retiens. Je pense que la plupart des dissidents ont fait un peu ce parcours, différemment bien sûr, hein, mais à un moment, ils ont buté sur une certaine réalité qui les a fait sortir du virtuel, qui leur a fait sortir d'espèce de ouate, hein, de coton dans lequel on les avait enfermés ou on les avait installés, et tout d'un coup on réalisait ce qui se passait vraiment derrière la surface, hein, sous derrière le miroir, et donc ces gens-là qui souvent ont pris des coups, même s'ils étaient moins pénibles que ceux que vous avez subis, ces gens-là sont des vrais dissidents et sont déterminés. Je pense que d'une certaine manière, je dois en faire partie aussi avec Karl, pour différentes raisons. Hein. On a des parcours différents, mais on aboutit aux mêmes conclusions. C'est justement intéressant de voir que des gens qui ont des parcours différents aboutissent précisément aux mêmes conclusions et aux mêmes constats par des voies différentes, justement. Ça, c'est intéressant. Tout à fait. Vous savez, vous avez remarqué que depuis le 2019, depuis ce Covid, il y a les vax et les non-vax. Déjà, ça fait que les gens ont splitté. C'est-à-dire que les non-vax sont ensemble puisqu'on les persécute. Les vax sont de l'autre côté parce qu'ils ne savent pas trop ce qui leur est arrivé. Et ceux qui commencent à se battre avec nous parce qu'on est de plus en plus nombreux, à être éveillé, cela, on appelle ça Olivier Soulier. Vous avez vu, vous le connaissez, Olivier Soulier, qui est décédé. Il était passé me voir et il m'avait dit, la nouvelle famille, notre nouvelle famille, c'est celle-là. C'est ceux qui se battent pour éveiller. Et il faut continuer ce combat. Il faut le faire parce qu'il y en a encore qui ne le sont pas éveillés. Il faut continuer à faire ce travail. C'est très important, très important. Parce que vous savez, de plus en plus, on découvre l'immensité de dégâts qu'ils nous ont faits ou de ce qui se passe derrière. Vous savez, pour les gens qui ne sont pas informés, vous savez que c'est très dur. Ils sont en train de réaliser qu'ils ont voté pour des gens, ils ont fait confiance et voté pour des gens qui veulent les tuer. Avec le Covid. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent se passer par les fenêtres ou se suicider tellement c'est lourd. Nous, on est préparés. On le sait. Mais pour les gens qui tombent comme ça, c'est une horreur. C'est une horreur. Tout ce qu'ils apprennent sur la pédophilie, tout sort en ce moment. C'est épouvantable. C'est épouvantable pour les gens qui ont fait confiance. Ben, puis nos systèmes d'éducation sont maintenant, ici, c'est pareil, remplis d'idéologies, nos universités également. Donc, exact. C'est très, très difficile d'expliquer à des gens quasi sous hypnose qu'ils sont en fait des victimes. J'ai eu des discussions encore cette semaine avec des gens concernant le vaccin. Puis, ils sont encore dans le narratif que ça a sauvé l'humanité. Oui. Et... C'est là que je vais terminer l'entrevue avec vous. Qu'en est-il du pardon? Parce que
Qu'en est-il du pardon là-dedans? J'en parle à mes auditeurs parce qu'il va être facile là, dans l'effondrement qu'on prévoit tous où on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre. Il va falloir savoir pardonner aussi à travers ça, non? Je pense qu'il va falloir être très courageux parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça va tanguer. Je l'ai dit tout à l'heure, les bêtes sauvages, la bête sauvage ne va pas s'effondrer sans faire des dégâts, donc il faut que les gens soient prévenus, ça va être très, très, très dur. Il va falloir serrer les coudes. Le pardon. Bien sûr, dans les prières, nous dit qu'il faut pardonner ceux qui nous ont offensés. Ouais. Ben moi, je peux vous dire qu'il y a des choses que je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas. Ben, je ne peux pas. Eh ben, je pense qu'il faut appliquer la phrase de Claire Sévrac. Ne leur pardonnez pas, car ils savent ce qu'ils font. Exactement. Je pense que oui. Enfin, je ne sais pas ce qu'on pense, ce que vous en pensez. Ben, effectivement, on fait face à une guerre civilisationnelle. Certains disent, tant qu'il restera une goutte de libéralisme dans notre monde, on n'est pas sorti de l'auberge. Et on constate, vous et moi, jusqu'à quel point le système est maintenant pourri. Il y a un juge à la retraite qu'on a reçu, puis ça va être ça ma pensée. Un juge à la retraite qu'on a passé à Radio Infocité, j'invite les gens à l'écouter, où je lui pose la question, est-ce que les politiciens sont corrompus? Il dit non, ils sont la corruption. Et pour avoir fait m'être impliqué beaucoup en organisation politique, c'est un point en commun qu'on a eu pendant l'entrevue ensemble. On a remarqué exactement la même chose, où ces gens-là semblent préoccupés par bien d'autres choses que les intérêts de ceux de l'autre. Ils s'en fichent. Vous savez, quand on rentre en politique en France, ça n'est pas pour défendre le peuple. C'est pour... je vais être vulgaire. C'est pour s'en fiche plein les fous. Les poches, voilà, c'est tout. C'est le fric. Ah oui. C'est le fric. Ah oui. Puis, les honneurs, le fric, voilà, c'est tout. Ils y vont pour ça. Et en fait, je pense qu'un jour, il faudra arrêter de faire de la politique, d'en faire un métier. C'est pas normal. Je suis désolée, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas un métier. Diriger un pays, c'est pas un métier à part le président de la République qui doit faire que ça, mais les autres, je veux dire, c'est une espèce de club qui sont ensemble, qui sont là pour piller les pays. Bon, ça suffit là maintenant. Il faut un peu que le peuple il mette bon ordre, hein. Mais c'est pas demain, hein, d'ailleurs. Oui, puis ça fait dire au juge, il dit, c'est bizarre à dire, il dit, on souhaite notre propre effondrement. Donc, c'est parce qu'on comprend ensemble que ça devient invivable. Ils ont tout, ils tiennent la police, ils tiennent la justice, ils tiennent, il ne reste pas grand-chose. Hein. L'Assemblée nationale, on passe les lois au 39-3, c'est-à-dire que quand les députés, de toute façon les députés sont aux ordres, mais si par hasard, allez hop, on y va, 49-3, on y va au 49-3 et le président, il passe ce qu'il veut. Le peuple, il ferme ça et puis c'est tout. Et puis, ils font ce qu'ils veulent. Et maintenant, les élections truquées. Attends. Merci, Madame Devier-Joncourt. J'espère vous revoir quand vous voulez. Écoutez, quand vous voulez, je suis vraiment ravie. Toutes mes amitiés au peuple québécois. J'aimerais bien revenir un jour dans ce pays parce que j'ai un souvenir, le peu où j'y ai passé, j'ai un souvenir magnifique. Et j'ai des amis dans mon village, une amie qui est née dans mon village en Dordogne, qui s'est mariée avec un Québécois. Et ouais. Et puis, il y a longtemps, elle a une fille qui a une quarantaine d'années qui est venue retrouver sa maman ici où elle passe sa retraite. Et donc, elle me parle beaucoup du Québec aussi. Et elle voulait y retourner, mais là, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Elle est en rade, là. C'est trop difficile. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un pays que j'aimerais revoir.
Écoutez, ça a été un grand plaisir pour moi. J'ai vraiment, ça fait quelques jours que je vous connais. Je ne l'ai pas caché. J'ai vraiment apprécié et je remercie le capitaine Place qui nous a permis de nous rencontrer. Puis, bien sûr, vous êtes la bienvenue au Québec si vous avez cette idée-là un jour. Oui, puis comme ça, j'ai des amis, moi. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'In Silico va peut-être que cet éditeur, s'il suit cette émission, maintenant il me connaîtra, parce qu'il me connaît, cet éditeur québécois, parce qu'il ne connaît l'ensemble que mon éditeur tunisien. Donc, s'il voit cette émission, je ne sais pas son nom, il faudra que je lui demande. On va fouiller ça après l'émission, ça va nous faire plaisir. Il va savoir qui je suis, voilà, c'est bien. Merveilleux. Alors, merci. J'aimerais tant sortir ce livre à partir du Québec. Oh my God, mon rêve. Ben. On suit ça de près. Merci beaucoup et à la prochaine. À bientôt et merci pour votre accueil. Au revoir à tous. Voilà, c'était ma... Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.